Nous sommes autour de 7 heures. Salut, bonjour à tous et bon réveil sur Canal 3 Bénin. Nous sommes le mercredi 19 octobre 2022. Merci de nous rejoindre sur Actu Matin en première heure pour vivre avec nous toute l'actualité. Dans un instant, les unes de la presse, elles évoquent plusieurs faits, les explications autour de la fusion-absorption de l'hôpital d'instruction des armées par le Centre national hospitalier universitaire de Cotonou. Il s'agit d'une sorte de mutualisation des moyens pour une meilleure prestation aux usagers. Ce qui va changer est présenté et rendu public. Vous aurez dans un instant les gros titres de la presse et en fin d'édition votre revue de presse. La Cour constitutionnelle, oui, elle a pris l'initiative d'aller au contact des populations pour leur parler des droits fondamentaux et des libertés publiques. Aussi, de rapprocher l'institution des justiciables et cela se justifie. Vous verrez les images et vous entendrez des propos dans notre mini-journal. De tout à l'heure, ce sera avec William Cliquant. Sur un tout autre plan, ces derniers jours ne sont pas de tout repos pour les états-majors des formations politiques qui concourent au suffrage à l'occasion des législatives de janvier 2023. Les jours se comptent. Les délais sont aussi comptés pour les différentes commissions en charge du traitement des dossiers de candidature à la CEDA. C'est pareil, les équipes tiennent à leur calendrier et surtout au respect des dispositions des lois électorales. En attendant, les grandes dates suivies des actions concrètes sur le terrain politique, nous poursuivons notre incursion dans les régions politiques. À l'analyse, l'Ouémé et le plateau ce matin. Nous serons dans les 19e, 20e, 21e et 22e circonscriptions électorales pour le décryptage avec nos analystes en plateau. Restez avec nous. Voici les infos. Sur le temps qu'il fera tout au long de cette journée du mercredi, nous sommes avec Météo Bénin. Et voilà les informations sur le temps. Retour plateau et avec les animateurs de rubrique ce matin. Dans un instant, vous aurez la une des journaux avec Wahab Ali Kwara et William Cliquant qui nous présentera le bulletin matinal. William, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bienvenue. Dans votre bulletin matinal, on va parler de la Cour constitutionnelle. Oui, elle était, je dirais, à paracours, la plus haute juridiction et des droits de l'homme et en matière constitutionnelle descend dans les localités. Elle était donc à paracours. Ce déplacement des premiers responsables sur 2 jours a permis de présenter aux populations du septentrion ses attributions dans le maintien de la démocratie et du respect des droits de l'homme au Bénin. Les voies de recours et les mots de saisine sont aussi expliqués aux citoyens. Les détails de cette séance de travail sont à suivre en début d'édition. Et comment les unités de transformation de l'Université nationale d'agriculture
agriculture mettent-elles en œuvre la politique de changement du curricula? La ministre de l'Enseignement supérieur est allée constater la mise en œuvre des réformes du gouvernement visant à rendre plus pratique les formations des universités publiques du Bénin. Elle note globalement un satisfait. Si vous l'entendrez dans notre mini-journal, n'est-ce pas, William Clicquant? C'est bien le cas, Christian. D'accord, à tout de suite. Rahab Ali Kouara, bonjour. Bonjour, Christian, et bonjour à tous. Bienvenue avec vous, ce sera la une des journaux. Que dit la presse ce matin? Beaucoup de choses ce matin, Christian Dandéja. Nous sommes mercredi. On va commencer par le quotidien Fraternité qui a accordé la parole à Bertin Mouzombi, le tout nouveau président du REPAM CDS. C'est donc, j'aurais dire, le réseau des parlementaires africains, membres de la commission de défense sécurité. Les propos donc de Bertin Mouzombi rapportés par le quotidien Fraternité ce matin. Il faudrait que l'Europe comprenne que nous sommes partenaires. Roland Steen, directeur régional du programme de dialogue sécuritaire en Afrique subsaharienne. On se retrouve dans une période où les anciennes grandes puissances et les nouvelles se challengent en Afrique. Justement, la une de Fraternité, oui. Il y a une petite erreur à l'écran. C'est pas le journal de ce matin. Alors, on se contente de ce qui est la réalité du jour. Donc, Patrick Lecomte, fondateur de l'Automobile Club du Bénin sur la sécurité routière. Il n'y a pas de code de la route au Bénin. Un accident, c'est toujours une responsabilité partagée, constate Patrick Lecomte dans les colonnes donc du quotidien Maison Fraternité. On est maintenant à la une du quotidien de service public La Nation. Fusion, absorption de l'HIA par le CNHU Hubert Maga de Cotonou. Ce qui va changer en trois points à retrouver dans les colonnes donc du quotidien La Nation. Les enjeux de la fusion, absorption de l'hôpital d'instruction des armées par le Centre National Hospitalier Hubert Maga de Cotonou sont désormais connus. Les grandes lignes sont développées par le directeur Ange Dodi Dossou, conseiller technique du ministre de la Santé qui se veut optimiste à ce propos. Et puis, accord de financement entre la BID et le Bénin, 12 milliards de francs CFA pour les chaînes de valeur riz et maïs. À la une de l'autre quotidien, cette fois-ci, décision EL22-02 du 6 octobre 2022, Jacques Ayadji débouté. Une loi ne peut pas tout prévoir, précise la Cour. Et puis il y a le ministre d'État, Erominia Douadagne, qui engrange 142 milliards de francs CFA environ de financement. C'est pour le développement de villes résilientes et secteurs agricoles. Quotidien Le Télégramme, recours de Jacques Ayadji contre les pièces de candidature aux élections législatives. La Cour tranche et donne raison à la Sénat. Et puis Le Télégramme qui nous apprend également que l'armée a repoussé une tentative d'attaque terroriste à Karimama. Info matin cette fois-ci, refus de reconnaissance de paternité, le sieur Abel renvoie au mépris d'un test ADN pourtant positif, dénie à un jeune de 16 ans son droit. Et puis double recours contre les décisions de la Sénat, la Cour constitutionnelle déboute Jacques Ayadji du parti Moël Bénin. À la une du quotidien, Le Potentiel, contestation de paternité d'une progéniture, Abel renvoie, objet d'une procédure judiciaire, l'enfant rejeté, traumatisé. Un test ADN réalisé a pourtant confirmé que cet homme d'affaires est reconnu comme le père du garçon. À la une du quotidien Dabarou, lancement de la semaine du numérique au Bénin, la ministre Aurélie Adam-Soulé-Zoumarou présente les progrès réalisés. Et puis il y a eu cette conférence au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est à Parakou. 10 dossiers sont examinés devant les populations. Quotidien La Boussole, attaque terroriste au nord du Bénin, l'armée déjoue un assaut contre la mairie de Karimama. Et puis débauchage réciproque de militants entre les partis de la mouvance, qui de l'Union progressiste, le Renouveau et du Bloc républicain prendra le dessous, s'interroge
Le journal quotidien, les quatre vérités, cette fois-ci, recours contre la Sénat, la Cour constitutionnelle du Bout Jacques Ayadji. Et pendant ce temps, pendant le cadre donc des élections législatives du 8 janvier 2023 au Bénin, la Fondation Malerossou et la Fondation de l'archidiocèse de Cotonou se mettent ensemble pour préserver la paix et l'unité nationale. Matin libre, très interrogatif ce matin. Bénin, opposition au régime de la rupture. Candide Azanahi, les démocrates, c'est quoi le problème? C'est la question à la une donc du quotidien Matin libre. Et puis après le décès de quatre patients, nous sommes là au CNHU Hubert Maga de Cotonou. La polémique ne finit pas, constate Matin libre. Le matinal, cette fois-ci, recours contre les pièces constitutives du dossier de candidature pour les élections législatives de 2023. La Cour constitutionnelle fixe les candidats Jacques Ayadji débouté, la Sénat dans la légalité. Lire l'intégralité donc de la décision de la Cour constitutionnelle dans les colonnes du quotidien Le Matinal. Et puis Eugène Azatassou, après les déballages de Candide Azanahi sur Guy Mitokpe, ce sont les objectifs qui importent et non les individus. Le leader du jour, pour finir, Christian Dandéjean, suivant les dispositions de l'article 10 du Code électoral du Bénin, la NIP invite les Béninois à dénoncer les mercenaires de la LEIP. Lire le communiqué du gestionnaire mandataire de la NIP, Cyril Goubedji. Et puis modernisation de l'agriculture au Bénin, la vallée de l'Ouémé attend toujours le président Patrice Talon, selon Sa Majesté Signor Roi de la vallée. Voilà Christian, tout rapide, hein, des parutions ce matin avec Fraternité qui, comme je le disais, a accordé la parole à Bertin Mouzombi. C'est le nouveau président donc du réseau des parlementaires africains, membres de la commission défense et sécurité. Il s'est largement prononcé donc dans les colonnes du quotidien Fraternité. Il estime qu'il faudrait que l'Europe comprenne que nous sommes partenaires. Voilà, ses propos sont à découvrir en page 3 du quotidien Fraternité ce matin, un peu comme les propos du conseil spécial du ministre de la Santé à la médecine hospitalière Ange Dodi Dossou, qui était l'invité de l'émission Ma part de vérité sur Gulf TV. Et au cours des échanges, le cadre du ministère de la Santé a expliqué dans les détails tous les aspects, tous les contours du plan de fusion-absorption de l'ex-hôpital d'instruction des armées par le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou, ce qui est d'ailleurs déjà mis en œuvre. Page 7 du journal Fraternité, vous avez toutes les précisions sur cette nouvelle donne. Nous y reviendrons en fin d'édition avec Assiomo Kanya Assiomo dans notre revue de presse. Actu Matin se poursuit. Le rendez-vous des informations en images, c'est ici et maintenant. Voici le bulletin. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu d'espoir. Fais la passe! Fais la passe! Pourquoi maintenant tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne et devenir la scène pour votre succès. Ok, guys, listen. You have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que s'en fait les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêt à gagner? One is bet. Suivez les leaders. Nous ouvrons notre mini-journal comme nous l'avons annoncé par la Cour constitutionnelle qui a posé ses valises à Parakou. C'est dans le département du Borgou et ce pour 48 heures. Il s'est agi pour la plus haute juridiction de se rapprocher du citoyen béninois dont il est garant de la protection des libertés fondamentales. Une conférence publique a été animée dans ce cadre pour expliquer aux populations le mode de fonctionnement de la Cour constitutionnelle du Bénin. Les détails dans ce reportage. Pour mieux se faire connaître et se rapprocher davantage des citoyens, la Cour constitutionnelle pose ses valises à Parakou. Pendant 48 heures, la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle a mené deux activités importantes. D'abord, cette conférence publique sur son mode de fonctionnement. C'est de faire connaître la Cour constitutionnelle. Le second objectif, c'est de rapprocher la Cour du justiciable. C'est une première expérience, mais que nous tenons donc à la rééditer et à la faire autant de fois que c'est possible
pour permettre à tous les citoyens de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle. Tout en développant le thème, la procédure devant le juge constitutionnel béninois, les organisateurs sont revenus sur l'intérêt de rapprocher les services de cette cour du justiciable et par ricochet, lui réduire les coûts y afférents. La justice est gratuite. La justice appelle cependant quelques dépenses qui peuvent être énormes en raison de la distance que les justiciables ont à parcourir. Celui qui quitte Mananville pour venir répondre à la Cour constitutionnelle à Cotonou n'a pas les mêmes obligations que celui qui quitte Calavi ou Alada. L'exposé vous indiquera toutes les procédures à suivre pour saisir la Cour constitutionnelle, et procédure à laquelle nous avons ajouté tout récemment les moyens électroniques. C'est-à-dire que pour déposer votre recours, vous n'avez pas besoin d'être à Cotonou, vous n'avez pas besoin de vous rendre à Cotonou, vous pouvez envoyer votre recours de votre maison. L'autre activité phare, c'est bien cette audience foraine à la cour d'appel de Parakou qui a permis d'examiner une dizaine de dossiers. À l'arrivée, un constat se dégage. On peut dire que la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour tout. Ce n'est pas parce que vous avez n'importe quel problème que vous devez venir devant la Cour constitutionnelle. Le pays est organisé de façon à ce qu'il y ait des juges pour différents types de problèmes. Quand vous avez des problèmes de famille, il y a un juge. Quand vous avez des problèmes en matière pénale, il y a un juge. Quand vous avez des problèmes entre employeur et employé, il y a un juge. Donc quand vous avez ce genre de problème, tant que vous n'avez pas démontré que vous êtes en train de revendiquer les violations d'un droit de l'homme, ou que vous êtes en train d'indiquer un article précis de la Constitution qui est violé, la Cour constitutionnelle va dire qu'elle est incompétente parce que c'est un travail qui doit être fait par le tribunal ou bien la Cour d'appel ou bien la Cour suprême. Les choses sont organisées de façon à ce que chacun ait son domaine de compétence. À travers cette descente à Parakou, les juges de la Cour constitutionnelle se rapprochent davantage des justiciables de la partie septentrionale du Bénin. Et voilà, et nous allons parler à présent de prière et cette église, les églises évangéliques de la commune de Savalou qui ont prié pour la nation, pour la paix en cette période électorale. William Clicquart. Fidèles et responsables se sont retrouvés à la place des spectacles pour une séance d'intercession initiée par le député Valet Tchobo. L'acteur politique Christian Adalejan a aussi saisi l'occasion pour sensibiliser les populations à la culture de la paix. Les précisions avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. À l'appel de l'organisateur, ils ont massivement répondu. Des quatre coins de la ville de Savalou, les membres du corps du Christ se sont venus prier. Rassemblés autour des autorités politico-administratives et autres invités, les responsables des diverses églises évangéliques ainsi que les fidèles ont chanté, dansé puis invoqué le Tout-Puissant. Notre frère, l'honorable Tchobo Valet, tous les ans, réunit les frères et sœurs afin de pouvoir donc prier ensemble et soutenir pour que la paix soit donc dans notre pays. Que le Seigneur donc le soutienne et que le peuple de Dieu que nous sommes le soutienne également donc, de par nos prières. Cette initiative permet au corps de Christ, à l'Église, d'être une, d'être unie et de pouvoir avoir un seul objectif, celui de gagner les âmes donc, pour la gloire de Dieu. Le rendez-vous spirituel est organisé en prélude aux législatives de janvier prochain. Il a été le cadre choisi pour inviter le peuple, principalement les citoyens des collines à la culture de la paix, le vivre ensemble, mais également à adopter de comportements responsables face au bien public. Ce moment d'évangélisation a été animé par des pasteurs pendant des heures, à tous deux rôles et même ensemble avec l'assistance. Les hommes de Dieu ont imploré le Père Céleste afin qu'il veille sur le pays de même que les gouvernants. Nous te recommandons chacun de nous qui avons fait le déplacement. Seigneur, fortifie-nous au nom de Jésus. Bénis ton Église au nom de Jésus, amen, afin qu'elle soit unie pour éternel Dieu avancer dans cette lancée qui consiste, Seigneur, à veiller et à faire en sorte que les autorités que tu as mises en place, nous puissions chercher leur bien-être. Nous puissions prier pour eux. Éternel Dieu, l'élection législative de 8 janvier prochain, Seigneur, est sous ton contrôle. Que ce jour soit préservé, que ce jour soit protégé et que ce jour vienne sain et sauf pour la gloire de ton Saint-Nom. À travers louanges, adorations ainsi que les prières, l'Assemblée a demandé que les périodes d'avant, pendant et après les législatives se passent sans incident et dans la tranquillité totale. Là où les enfants de Dieu, le peuple de Dieu se réunit comme ça pour adorer, glorifier le nom de Dieu, il n'y a pas de raison pour que la gloire de Dieu ne descende pas. Sur ce pays désormais, il y a la gloire.
Et donc la paix est là. Tout ça a été fait dans la quiétude, hein, dans la paix, dans la joie et dans une communion fraternelle. Donc tous ceux qui sont fils de ce pays, à commencer par le président de la République, jusqu'en bas, rentrer dans les familles, les populations, la paix réside désormais et ce serait la victoire, ce serait que le pays gagne, le Bénin, tout le Bénin. Pour les uns et les autres, la démarche de l'honorable Valère Tchobo est salutaire. Même si elle n'est pas la première, elle vient à point nommé. De retour dans les familles, chaque membre de l'assistance a été invité à ne pas relâcher d'ardeur dans leur adresse à Dieu afin que les grâces jaillissent et que les objectifs attendus soient atteints. Et retour à Cotonou pour les travaux du dialogue de gestion au titre du troisième trimestre de l'année 2022 et de validation du projet de budget du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Les travaux qui se sont ouverts hier, la séance de travail qui réunit les préfets des 12 départements du Bénin ainsi que les cadres de l'administration territoriale. Ces travaux exigent une décentralisation plus accrue dès l'année prochaine. Hommage des réforme dans le sous-secteur par le gouvernement béninois. Ouliad Sanoussi pour les détails. Au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale s'ouvre le dialogue de gestion au titre du troisième trimestre. Cette session, la deuxième de l'année, est un cadre par excellence d'échange entre toutes les parties prenantes sur la performance de la gestion du secteur et ce, en référence aux diverses interventions planifiées au titre de 2022. Dans le cadre de cet atelier, il nous revient de scruter de façon minutieuse les différents points d'exécution des activités de chaque programme du ministère, de renseigner les valeurs atteintes des indicateurs de performance de chaque programme et de ressortir les éventuels écarts, d'identifier les principales contraintes, de préconiser des dispositions appropriées en vue de la réalisation de meilleures performances en fin de gestion pour mieux aborder 2023. Ainsi, conformément aux exigences de la gestion axée sur les résultats et le nouveau contexte induit par la mise en œuvre de la réforme budgétaire, le dialogue s'avère plus que nécessaire. Le budget de la décentralisation est passé de plus de 42 milliards de francs CFA en 2021 à plus de 48 milliards en 2022. Pour le projet de 2023, il est de près de 64 milliards, soit un taux d'accroissement de plus de 30%. En vertu des exigences de la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances et des réformes qu'elle a induites, nous avons élaboré à bonne date, en relation avec la Direction générale du budget, tous les principaux documents budgétaires de notre secteur, notamment le document de programmation pluriannuelle de dépenses, les projets annuels de performance, des programmes budgétaires et enfin le tableau de budgétisation, autrement appelé PTA, dont le projet sera transmis au bureau d'analyse et d'investigation pour analyse avant la fin de cette semaine même. Il ressort des travaux préparatoires au présent atelier que le budget du ministère est exécuté à près de 85% base engagement et plus de 80% base ordonnancement, hors dépenses du personnel, pour une cible de 75% à fin septembre. Des performances qui, selon le ministre, confirment la volonté du gouvernement d'impulser le développement du Bénin en partant de celui des communes. C'est vraiment une réforme qui permet à tous les acteurs d'être impliqués, de participer et d'apporter leur touche, n'est-ce pas, pour un budget plus participatif. C'est un appui pour les préfectures pour essayer quand même de revaloriser davantage les préfectures, de recadrer un peu et leur partition dans la réussite de cette réforme. Le ministre de la décentralisation compte sur la détermination de tous les acteurs pour la réussite de cette rencontre. L'autorité espère qu'ils en sortiront avec des recommandations dont la mise en œuvre permettra d'améliorer les performances du secteur. À présent, cette descente de la ministre de l'Enseignement supérieur, la recherche scientifique, elle a visité plusieurs centres de formation de l'Université nationale d'agriculture. C'est une tournée de vérification de la mise en œuvre des nouveaux curricula de formation dans les universités publiques du Bénin, axés dans l'enseignement supérieur sur beaucoup plus de pratiques. Des efforts de formation, des offres de formation, j'allais dire, qui devront permettre aux étudiants d'être directement opérationnels à la fin de leurs études.
d'habitude. Le point du constat fait sur le terrain avec Emma Rodon. Cette tournée du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans les ateliers de production de l'Université nationale d'agriculture vise à constater de visu le niveau de mise en œuvre des nouveaux curricula de formation. Le gouvernement ayant voulu que ces formations soient désormais plus axées sur la pratique que sur la théorie. Un changement de paradigme qui devrait permettre aux étudiants d'être opérationnels dès la fin de leur formation. L'École de gestion et d'exploitation des systèmes d'élevage de Kétou, le Centre pour la promotion de l'entrepreneuriat rural de Kétou et l'École d'aquaculture d'Adjohun sont, entre autres, les ateliers de production visités. Nous sommes déjà dans le changement de paradigme que le gouvernement veut, que son Excellence le Président Patrice Talon veut. Ce changement qui nous appelle à professionnaliser beaucoup plus la formation, puisque nous sommes une université thématique, université d'agriculture. Et qu'est-ce qui est constaté? Ce qui est constaté, c'est que nous avons érigé des ateliers d'application. Et nous avons fait en sorte que plus de la moitié du temps d'enseignement se fasse en atelier, comme Madame la Ministre a eu le plaisir de constater. Moi, je compte entreprendre aussitôt quand je vais finir. Dans la production, naturellement, soit les œufs de poule pondeuse ou bien les lapins. En tout cas, toutes les spéculations que nous avons apprises ici, je pense de pouvoir les mettre en pratique chez moi là-bas. Cette tournée a été également ponctuée de séances de travail avec les étudiants, enseignants, personnel administratif et aspirants au métier d'enseignement dans le secteur agricole. Éléonore Ladekayayi est satisfaite de ce qu'elle a vu, quoiqu'il y ait des améliorations à apporter. Les ateliers, leur présence, c'est déjà un premier début. Ces lieux de formation, sans atelier, c'est déjà la catastrophe. Nous avons vu des ateliers qui ont quelques équipements. C'est encore une autre étape. Nous avons des ateliers qui ont des équipements qui ne fonctionnent pas, qui attendent d'être réparés ou qui attendent d'être complétés. Et donc, nous ne pouvons pas dire qu'en termes de configuration optimale de ces ateliers, que nous sommes totalement satisfaits. Mais nous savons que c'est un très bon début qui permet à nos apprenants d'avoir déjà de la main. Rien qu'avec ce début, ils ont déjà commencé eux-mêmes par extraire leur génie créateur. Nous avons profité également de notre présence pour constater le niveau de préparation des AME qui seront accueillis dans la formation pratique. Parce que la stratégie nationale d'enseignement et de formation technique et professionnelle impose de pouvoir regarder cet aspect pratique de ces apprenants. Le Bénin travail a transformé son économie et pour Éléonore Ladekayayi, le sous-secteur de l'enseignement supérieur va pleinement jouer son rôle à travers la mise sur le marché de ressources humaines de qualité. Dans l'actualité sécuritaire au Bénin, la phase 2 du diagnostic local partagé de sécurité dans les zones pilotes du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine est lancée. C'est à la faveur d'un atelier qui a réuni tous les acteurs impliqués dans ce projet. À leur côté, l'agence belge de développement Enabel, qui exécute ce programme financé par le Royaume de Belgique. Ingrid Day et Deron Prévy. Organisé par l'Agence belge de développement dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine du Bénin, la rencontre vise à imprégner les divers participants de l'approche de la police communautaire et à susciter leur intérêt à la réalisation du diagnostic local partagé de sécurité pour tous. Le concept de police communautaire répond également à la complexité croissante du phénomène criminel. On se rend bien compte qu'à l'heure actuelle, avec la mondialisation, voilà, on doit travailler autrement. Il place aussi la société civile comme un acteur à part entière de la politique de sécurité publique. Enfin, les diagnostics sont considérés dans de nombreux pays comme un préalable à la mise en place des politiques de sécurité et de prévention. Donc je suis particulièrement heureux d'assister aujourd'hui à la présentation de ces diagnostics sécuritaires partagés qui découle des rencontres avec tous les partenaires réunis ce jour à cet atelier. Le but de cette deuxième phase du projet, dédié au diagnostic local partagé de sécurité,
est de répondre davantage aux attentes et besoins de la population en matière de sécurité. Ceci à travers la mise en place des activités identifiées par les membres des différentes communautés. Deux policiers par arrondissement ont été formés à la gestion et l'animation de réunions et à la résolution de problèmes. Et eux, ils vont faire des concertations avec tous les représentants des différents membres de la communauté de l'arrondissement. Et avec ce groupe-là, en concertation, ils vont choisir un phénomène d'insécurité parmi les phénomènes dits prioritaires dans ceux qui ont été désignés, identifiés dans la phase 1. Et ils vont dire lequel est le plus problématique pour eux. Puis après, ils vont faire une véritable résolution de problème. Ils vont rechercher les causes de cette problématique, essayer de voir des solutions qui répondent à ces causes. Et puis, Enabel sera là avec la police républicaine pour les aider à déployer une ou deux solutions qui seront pertinentes pour endiguer le phénomène ou à tout le moins le stabiliser. Démarré en 2020 sous financement de la Belgique, le projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine du Bénin cible trois zones d'intervention, Cotonou, Parakou et Tchaourou. La durée d'exécution du programme, piloté par l'Agence belge de développement, est de 3 ans. Et on reste avec les flics pour parler de cette traque contre l'excès de vitesse lancée dans 5 départements, l'Ouémé, l'Atlantique, le Littoral, le Mono et le Koufo. C'est une vaste opération de répression que vient de lancer la police républicaine pour décourager les usagers en excès de vitesse en agglomération. L'objectif de cette mesure est de réduire sensiblement les cas d'accident dans les départements concernés. Une de nos équipes de reportage était sur le terrain hier mardi pour vivre le déroulement de l'opération dans certaines artères de Cotonou. C'est un reportage de Ulrich Gaba présenté par Clément Achadé. L'excès de vitesse sur la route au Bénin ne sera plus toléré, surtout sur les artères des grandes villes. Derrière le radar, les policiers arraisonnent tous les véhicules qui excèdent 55 km en agglomération. Une vaste opération coup de poing, planifiée et coordonnée sur le terrain par la police républicaine. L'opération qui se déroule en ce moment vise à identifier, interpeller, réprimer les usagers de la route qui excèdent la vitesse autorisée en agglomération qui est de 50 km/h. Alors cette opération est consécutive au constat selon lequel on note souvent un pic en ce qui concerne les taux des accidents de la circulation dans le dernier trimestre de l'année. C'est donc ce qui a poussé la hiérarchie policière à organiser cette opération à l'échelle de 5 départements, à savoir le département de l'Ouémé, de l'Atlantique, du Littoral, du Mono et du Koufo. Tous les usagers surpris en excès de vitesse par le radar sont immédiatement interceptés par les éléments de la police républicaine. Sur place, ils sont verbalisés et devront se rendre à la direction du Trésor public pour payer les frais de pénalité. Entre grincement de dents et supplications, la police républicaine a l'avantage de la surprise puisqu'elle occupe au même moment plusieurs artères principales de la ville. L'objectif étant de décourager l'une des principales causes d'accident sur nos axes routiers. L'objectif global, c'est d'amener les citoyens à respecter les règles de la circulation routière en République du Bénin, et l'objectif spécifique, c'est de faire baisser de façon drastique le taux des accidents consécutifs aux excès de vitesse en agglomération. Malgré les grincements de dents des usagers verbalisés, la police républicaine est fortement applaudie par les populations riveraines et les autres usagers de la route pour cette opération qui, selon eux, va sensiblement contribuer à réduire les accidents sur la route. C'est un bon boulot qu'ils font. Parce que les excès de vitesse aussi créent beaucoup d'accidents. Il y a encore. Bon, il y a un carrefour qui est proche. Donc c'est bon ce qu'ils font. C'est bon ce qu'ils font. Ah, son de Wari, son Dieu, son. Son Dieu, son propre Wari. Tout le monde, il nous colle, oui, j'en bats même, c'est sérieux. Nous, notre job, nous passons d'ailleurs et des coudines. Au total, 1649 contrevenants sont verbalisés en l'espace d'une semaine. C'est la preuve que cette opération de la police républicaine vient à point nommé pour rappeler à l'ordre tous les usagers et faire imposer le respect du code de la route. Et pendant que cette opération contre l'excès de vitesse se menait, certains motocyclistes ont eu la déveine d'emprunter le bitume en lieu et place du trafic local et se sont aussi retrouvés épinglés.
ils savent qu'ils sont dans de beaux draps. Et voilà, l'intégralité de cette opération sera développée dans l'émission Sur la route du vendredi prochain. Prenez le rendez-vous comme à votre habitude, Christian, avec notre spécialiste des questions sécuritaires, Ulrich Gabin. Justement, vendredi prochain, juste après Actu Matin. Restez donc avec nous et merci à vous, hein, William Cliquant. Un petit message à l'endroit des usagers de la route. Eh bien, faites désormais attention, les radars sont installés un peu partout dans la ville de Cotonou et sur les grandes voies qui mènent à Cotonou. Et motocyclistes, attention, circulez dans votre couloir. Allez, restez avec nous. Les sports, c'est tout de suite avec Hakimé Ousseni. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion, se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. L'autre rendez-vous sur Actu Matin, c'est les sports. Et les sports, c'est maintenant avec vous, Hakimé. Merci d'être là. Bonjour. Et Christian Dandéja, bonjour, mesdames, messieurs. Amis sportifs, bonjour au menu du football africain. En parler avec, bien entendu, le tirage au sort du 10e tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération. Et puis, on dira un mot sur le handball avec Gaël Pelletier. C'est le président du handball club de Nantes qui a séjourné à Cotonou du 13 au 16 octobre 2022. Eh bien, quels ont été les tenants aboutissants de ce séjour à Cotonou? Vous l'entendrez, ce sera dans un entretien exclusif à nous accorder. Commençons déjà par parler football avec le tirage au sort, disais-je tout à l'heure, du deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération saison 2022-2023 et qui a eu lieu, c'était bien ce mardi 18 octobre 2022 au Caire, c'est en Égypte. C'est le dernier tour pour accéder à la phase de groupe qui réunit les 16 équipes qualifiées à l'issue des 68 matchs du premier tour et les 16 reversés du deuxième tour des éliminatoires de la Ligue africaine des champions. Justement, et parlons déjà de ces 16 qualifiés. Nous avons entre autres équipes qualifiées à l'Ali d'Égypte, à l'Hilal, du Soudan, Al Merrekh du Soudan également, Coton Sport du Cameroun, le CR Belouizdad de l'Algérie, l'US Tunis de la Tunisie, l'AGS Kabylie de l'Algérie, l'AS Vita Club Kadiogo du Congo, Oruya de la Guinée-Conakry, VPRC de l'Ouganda, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, les Angolais de l'Atlético du Petrol Atlético, le Raja Casablanca, bien entendu, du Maroc, nous avons le Simba de la Tunisie, sans oublier le Wydad Athletic Club du Maroc et puis enfin les Zamalek d'Égypte. Ce sont donc là les 16 qualifiés et reversés, bien entendu, à l'issue des 68 matchs du premier tour. Et en plus de ces 16, nous avons les 16 reversés du deuxième tour des éliminatoires de la Ligue africaine des champions. Pour cette année, retenez que les rencontres du barrage seront alléchantes avec des duels entre Marocains et Tunisiens en ligne de mire, le tenant du titre, le RS Berkane et puis l'Union Sportive de Monastir, le tout puissant Mazembe, reversé en Coupe CAF, aura aussi un adversaire de taille, sans oublier le derby ivoirien que posera la SEC, OSC Gagnois. Voici pour vous le tableau des différentes explications et pour le compte donc de ce second tour. Nous avons entre autres rencontres à suivre les Young African Boys de la Tanzanie qui auront comme adversaire le club africain de la Tanzanie. C'est un duel donc entre deux formations du même pays. Nous avons le Darling Club Motema
Bembe de la RD Congo, Aflantura, Flambeau du centre du Burundi, River United, je vous raconte, El Nasr, bien entendu. Nous avons des affichantes autres telles que l'US Monastir, disait tout à l'heure, qui joue contre la Renaissance Sportive Berkane du Maroc. Nous avons Cap Town City qui joue contre l'US Alger. Affiche à suivre également pour le compte donc de ce second tour préliminaire. Pyramide d'Égypte sur un déplacement pour y affronter pour le premier tour. Et le match aller, l'AS Nijlek du Niger. La PAS FC joue contre Diable Noir du Congo. Et puis enfin, vous avez rencontre à suivre encore. Plateau United contre Al-Akder. Ça, ce sont donc quelques-unes de ces affiches. On poursuivra avec les autres affiches au menu donc de ce second tour. Nous avons l'AS Vita Club qui jouera contre le RC Kadiogo. L'AS Real Bamako du Mali fera son déplacement pour la manche aller et jouera contre Royal Léopard. Le tout puissant Mazembe joue contre le Royal MFC de l'Afrique du Sud. Futur FC de l'Égypte a comme adversaire le 1er du Agosto. La SEC Mimo joue contre son autre adversaire en championnat, c'est bien le SSC et Gagnoua. Et puis, bien évidemment, vous avez une affiche qui sera aussi intéressante entre le Jolibar du Mali et puis l'Esfar du Maroc. Marouno de l'Afrique du Sud, je raconte Al Ahly de Tripoli et puis Ascod Kara à comme adversaire le CS Sfaxien. Ce sont donc là les affiches pour le compte donc du second tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération. Les matchs allés de ce tour de cadrage se disputeront le 2 novembre prochain, tandis que les matchs retour sont prévus. Une semaine après, ce sera donc le 9 novembre 2022. Football toujours, mais cette fois-ci sur le vieux continent, avec les résultats des rencontres disputées. C'était hier comme temps pour le premier acte de la 12e journée au niveau de la Premier League. C'est en Angleterre. Rencontre disputée. Résultat pour vous, Bournemouth, Brighton et puis Nottingham Forest se sont séparés dos à dos. 0 but partout pendant ce temps. C'est bien Crystal Palace qui joue à domicile, qui a pris le dessus sur Wolves. La rencontre s'est soldée par le score de 2-1 du côté de la Ligue espagnole. C'était la 10e journée. Première rencontre disputée, c'était hier. Les autres affiches sont prévues pour ce mercredi. Le club sévillan et puis Valence se sont neutralisés dos à dos. Neutraliser un but partout. Et puis on retiendra également ce score entre Getafe et puis l'Athletic Bilbao, rencontre soldée par le score de 2 buts partout. Il y a eu que des nuls hier. L'Athletic Madrid a joué contre le Rayo Vallecano. Les deux formations se sont séparées dos à dos, un but partout. Ce mercredi 19 octobre 2022 à suivre, et du côté donc du championnat anglais et de première division, c'est bien la Premier League. Et la 12e journée, Bournemouth joue contre Southampton à 19h30, Brentford a comme adversaire les Blues de Chelsea. Everton sur un déplacement puis affronter Newcastle. West Ham joue contre Crystal Palace et puis Manchester United sera l'adversaire à jouer des Spurs de Tottenham. Cette rencontre est prévue pour 20h15. Voilà. Un mot de handball maintenant pour finir. Et cet entretien nous accordé par Gaël Pelletier, président du Handball Club Nantes. Il a séjourné à Cotonou, Bénin, avec Rock Feliro, ambassadeur marketing et développement du Handball Club Nantes. Ça, c'était du 13 au 16 octobre dernier, séjour au cours duquel il s'est agi d'échanges et de sciences de travail avec le ministre des Sports, Osvaldo Miki, son Excellence, l'ambassadeur de la France pour le Bénin, et puis l'exécutif de la Fédération Bénoise de Handball, dirigée par Sidikou Karimou. Quels sont les tenants et aboutissants de ces séjours à Cotonou? Voici l'entretien à nous accorder. Suivez et on revient juste après. Bah, tout est parti de Rock, de Rock Felio, qui est à la fois un ambassadeur du sport béninois, mais aussi l'ambassadeur du club. Et il y avait une volonté commune de partager l'expérience du HBC Nantes et de s'ouvrir à d'autres, d'autres pays, à d'autres continents. Et c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on sait que le Bénin est une nation qui est en émergence au niveau du sport et on a envie d'aider et d'aider au développement du handball béninois. Tout d'abord, je les remercie d'avoir voulu nous consacrer du temps et voulu échanger avec nous. L'objectif, c'était bien évidemment de valider qu'il y a une envie commune de travailler, une envie commune de progresser et déterminer
les bases de ce que l'on peut faire ensemble. Donc les bases de ce que l'on peut faire ensemble, bien évidemment, c'est de la formation de joueurs, de la formation d'encadrants. Et c'est toutes ces choses qu'on a pu partager. Et c'est avec grand plaisir qu'on a pu constater qu'on était sur la même ligne et qu'on avait les mêmes envies. C'était un échange très riche pour nous. Et c'était les bases de la concrétisation d'un accord qui va se faire dans les semaines à venir, je pense. C'est un peu difficile à les déterminer parce que on va avoir une phase de découverte et il va falloir qu'on appréhende la réalité du niveau et qu'on mesure la réalité du travail qu'il y a à faire. Donc déterminer des objectifs à long terme, c'est compliqué. À court terme, finalement, c'est ce que je disais, c'est découvrir comment vous fonctionnez, comment vous travaillez et qu'est-ce que nous, on peut vous apporter. Il y a des choses que vous faites très bien et vous n'aurez pas besoin de nous. Et puis, il y a peut-être des choses sur lesquelles l'expérience du HBC Nantes, l'expérience du haut niveau pourra apporter un petit peu. Et donc, c'est toutes ces choses qu'on va essayer de faire et de mettre en avant, mais cela très rapidement. C'est vrai que c'était un pari que de faire venir cette sélection, parce qu'on savait qu'elle n'avait pas l'habitude de rendez-vous internationaux dans un tournoi qui effectivement aujourd'hui est bien reconnu, avec des équipes très performantes qui viennent de toute l'Europe pour le jouer. Mais on avait envie de le faire, ce pari, parce qu'on avait envie de faire découvrir à ces jeunes enfants le handball international, et puis leur permettre de mesurer aussi la distance qu'il leur reste à parcourir. Après, la vraie satisfaction que l'on a pu avoir sur ce tournoi, c'est de voir en si peu de temps la progression qui a été la leur au sein du tournoi et au fil des matchs. À tel point qu'ils remportent leur dernier match là où, quand ils sont arrivés, ils avaient des difficultés à supporter la confrontation. En fin de tournoi, ils gagnent leur premier match. C'était un vrai plaisir et c'est une expérience qu'on a envie de continuer à travers la prochaine édition en 2023. Et on a officiellement fait l'invitation à Monsieur le ministre hier pour une participation en 2023 d'une équipe du Bénin. Rencontrer des gens passionnés, des gens qui savent ce qu'ils font, qui ont un vrai projet. Donc je regarde cela de manière très optimiste, parce que quand une fédération est structurée comme la vôtre l'est, je pense qu'avec du travail et peut-être un peu d'aide extérieure, et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui parmi vous, on peut grandir vite, voire même très vite. Alors nous, effectivement, dans le schéma et dans l'idée, on sera l'opérateur sur place. Maintenant, la Fédération française, elle a des compétences que nous, clubs, on n'a pas forcément, notamment en termes de structuration. Et c'est vrai que c'est cet apport de compétences qu'on veut aussi mettre au service du handball béninois. Et c'est pour ça qu'on va, nous aussi, travailler main dans la main avec la Fédération de manière à apporter le plus possible et sur tous les domaines. Les domaines, ils peuvent être sportifs, ils peuvent être médicaux, ils sont organisationnels, ça peut être les entraîneurs, ça peut être les arbitres. C'est tout un ensemble. Et c'est vrai que en s'alliant avec la Fédération sur ce projet, on sait qu'on va pouvoir aller dans l'intégralité de toutes les composantes du handball que je viens de vous citer. Voilà, c'était à l'instant donc Gaël Pelletier, il est le président du Handball Club Nantes, vous l'avez entendu, à ce projet avec le Bénin via le ministère des Sports et bien entendu la Fédération Bénoise de Handball dirigée par Sédiko Karimou qui fait un travail formidable en termes d'offensive diplomatique sur le terrain. Et bien ce sont les fruits de ces différents contacts et de son carnet d'adresses très très intéressant. Ça augure, je dirais, d'un avenir certain, un avenir sûr pour le handball bénois. Christian, c'était les sports. C'était les sports. Ce mercredi matin. Merci à vous, Hakim et Ousseni. Demain jeudi, on va retrouver en plateau Ali Moumouni pour
les informations sportives à partager avec nos téléspectateurs sur Canal 3 Bénin. Allez, pendant qu'il sonne 51 minutes après 7 heures, eh bien, c'est le rendez-vous de la discussion, du débat avec les débatteurs ce mercredi. On parle politique, l'analyse des forces en présence comme nous l'avons démarré depuis il y a quelques jours, circonscription électorale par circonscription électorale, et ce matin, nous irons dans 4 à 6 circonscriptions, notamment dans 2 départements, le Mai et le Plateau, les 19e, 20e, 21e et 22e. Restez avec nous. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu d'espoir. Fais la passe maintenant. Tu ne rentres pas dans la télévision, mais je fais la passe. Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Ok, guys, listen. You have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que s'en fait les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêt à gagner? One is bet. Suivez les leaders. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Dans quelques petites secondes, 7h55, merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Bienvenue sur Actu Matin. Bonjour Herman Agnamoussou. Bonjour Christian de Légion. Bienvenue. Bonjour à vous, Loge Francis Attalé. Bonjour Christian. Merci de répondre présent à notre invitation et votre expertise en plateau pour commenter un peu l'actualité dans nos circonscriptions électorales. Wahab Ali Para, Hakimé Sédou Séli, merci d'être là. Alors, nous comptons sur votre expertise ce matin pour élaborer autour de 4 circonscriptions électorales. Nous irons au cas par cas. Nous serons dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Dans l'Ouémé, nous avons 2 circonscriptions électorales. Nous avons la 19e et la 20e. Et dans le Plateau, nous avons la 21e et la 22e. On va commencer par la 19e qui regroupe 4 communes. Les communes d'Adjara, les communes d'Aguégué, de Porte-Lovo et de Sémé-Poudji. En ce moment, siège au Parlement, 3 députés pour le compte de l'Union progressiste et 2 pour le Bloc républicain. Au niveau de l'UDP, nous avons Hippolyte Razoumain, Victor Moussa, nous avons David Biokou. Et lorsque vous descendez dans l'autre formation politique, le Bloc républicain, ces 2 députés, c'était Jonas Benameto qui a préféré rester à la mairie de Sémé-Poudji et qui a cédé son siège à son suppléant, Charles Omer Avala. Et puis nous avons une dame,
Sofiat Chanouz. Ainsi se présente le tableau de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et puis en cours de route, il y a d'autres acteurs qui sont rentrés en jeu. Alors, quelle est la composition politique dans cette circonscription électorale, cher monsieur, après cette présentation du tableau et en regardant également les formations politiques en présence dans cette circonscription? On va commencer par vous, Wahab Ali Barra. Alors là, dans la 19e circonscription électorale, n'est-ce pas, vous parlez d'Adjara, des Agégué, de Porte Nouveau, de Semepoji, n'est-ce pas, où cette fois-ci nous aurons 7 sièges. Il faut dire que c'est une circonscription électorale, dois-je dire, un peu colorée, où vous avez le Bloc républicain, vous avez l'Union progressiste, mais ceux qui sont en, et vous avez également les FCBE, maintenant, c'est selon les quantités, vous ne manquerez pas des démocrates dans cette région également. Vous n'allez pas manquer de l'UDBN à cette région également, qui, il faut le rappeler, a son préfet non loin de la zone. Pas le préfet de l'UDBN, mais une militante UDBN. C'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Vous voyez, donc, c'est une région où on retrouvera presque toutes les forces. Maintenant, en termes de quantité, on parlera peut-être de l'Union progressiste qui a plus de députés, pour ne pas dire députés de plus par rapport au bloc, au bloc républicain, où nous avons dedans la ville capitale où tout va se jouer. Vous avez un maire qui fait un travail formidable, il faut le reconnaître, qui sans doute travaillera pour son parti, travaillera sans doute peut-être à être également positionné. Bref, c'est une circonscription électorale, ma foi, où les forces en présence s'entrechoquent. Herman. Oui, quand vous évoquez la 19e, tout de suite, les regards sont tournés vers Porte-Nouveau. Oui. Porte-Nouveau qui, entre-temps, a toujours été le fief, et même pour les dernières élections communales, s'est montré fief d'un parti, d'un ancien parti désormais, le PRD, qui désormais travaille avec l'UP, donc l'UP le renouveau. N'eût été ce défaut des 10%, le PRD aurait réussi quand même à tirer ses marrons du feu dans cette région. Donc, quand on prend cette dynamique circonscription électorale, on se rend compte que oui, l'UP le renouveau retrouve toutes ses forces désormais avec cette fusion avec le PRD. Sauf qu'il a rappelé, il y a d'autres qui sont encore là. Les dernières communales ont montré également que la force correspondante émergente a également ses oreilles et ses yeux là-bas. Que va-t-il se passer? N'oublions quand même pas que le BR aussi va essayer de dicter sa loi, va essayer de montrer que oui, désormais on existe parce qu'on a tiré leçon des expériences qu'on a vécues par le passé. Et donc, à ce niveau, on ne peut pas dire que tout est déjà gagné, même si l'UP le renouveau a une longueur d'avance dans cette région-là. Dans cette région, oui, vous avez évoqué à la force courue pour un Bénin émergent qui était taux communal de 2020. Et dans le département de Lomé, en son temps au sortir de ces élections, la force courue pour un Bénin émergent s'en est sortie avec 4 conseillers. Le Bloc républicain en avait 97 et puis l'UP avait 96. Éloge Francis Attalé, dans cette circonscription électorale dans la 19e, comment voyez-vous venir la bataille avec l'existant et ceux-là qui sont venus en cours de route, notamment beaucoup de jeunes acteurs politiques qui revendiquent un peu les différentes victoires qu'on a connues en 2019, en 2020, et pourquoi pas en 2021, même si là c'était une élection présidentielle. Je crois que la plupart des acteurs qui accompagnent le chef d'État nourrissent l'espoir, évidemment, d'être appelés à des responsabilités plus importantes afin de marquer, évidemment, leur circonscription pour que le chef d'État sache qu'il y a quand même une dynamique qui est en cours et qu'il y a des partenaires qui l'accompagnent, effectivement. Vous savez qu'un chef d'État a besoin d'avoir des gens qui l'accompagnent franchement, sincèrement et fermement. Donc, dans ce cas-là, vous voyez les acteurs qui, depuis des années, se sont impliqués dans la campagne, se sont impliqués dans la vulgarisation du PAG et qui ont donné la preuve de leur adhésion à l'action gouvernementale, mais aussi au PAG, nourrissent l'espoir d'être mieux positionnés, notamment les conseillers communaux. Vous savez, il y a une jeunesse qui bouillonne. Bon, maintenant, il n'y a que, cette fois-ci, le chef d'État compte beaucoup parce que ceux qui doivent l'accompagner, pour les partis, en fait, qui sont de la mouvance présidentielle et qui voudrait bien continuer à servir le chef de l'État et le Bénin. Il y a que, cette fois-ci, il faut savoir dans quelle proportion le Parlement sera renouvelé. Ça compte beaucoup.
premier critère. Le second critère, mais quelles sont les informations que le chef de l'État détient de façon discrétionnaire parce qu'il veut savoir qui l'accompagne, il veut être mieux accompagné. Donc, il y a que vous avez beau faire du travail sur le terrain, mais il y a des qualités d'intégrité, qualités d'engagement, qualités de probité, et puis d'autres critères qui sont laissés à la discrétion du chef de l'État, qui vont compter dans l'arbitrage, en fait, dans le choix définitif des candidats, puisque les listes doivent être soumises, en fait, pour l'appréciation et approbation. Bon, alors, au niveau de la 19e, vous savez que par le passé, tout le monde sait que c'est, en fait, le fief du PRD. Aujourd'hui, avec la réforme et puis la grande convergence qui s'est formalisée entre le PRD et l'Union progressiste, désormais, l'UPR a une longueur d'avance, comme Herman vient de le souligner, et comme Wahab aussi l'a notifié. Et il faut dire qu'en fait, dans ces conditions, le PRD a toujours fait mal dans cette zone. Le contexte de 2019 qui a permis au Bloc républicain d'avoir deux députés n'est plus le même contexte. Donc cette fois-ci, la bataille sera perdue, puisque même au moment où il y avait eu quelques grincements dedans, le PRD, en fait, le président du parti, s'est impliqué dans la pacification de la zone. Donc il a continué à cultiver, à garder sa notoriété auprès des grands électeurs de la 19e. Donc le jeu sera un peu serré, mais à condition que les autres partis changent de stratégie. Donc la stratégie va compter beaucoup, mais il y a... Comme on l'a fait constater dans plusieurs circonscriptions électorales, et ça dépendra également des acteurs de premier plan à qui on donnera l'opportunité de s'exprimer. C'est exact, c'est exact. Ouais, Hakimé. Maintenant, je partage l'analyse d'Atadé, parce qu'avant la réforme du système partisan, quand on parle des départements de l'Oumé Plateau, beaucoup plus du département de l'Oumé, c'est que le Parti du Renouveau Démocratique règne à maître. On ne serait même pas en train de faire des conjectures ce matin, dans le sens de savoir qui c'est qui va dominer la zone Oumé. Mais bon, depuis la réforme du système partisan, et puis de ce que, bien, dès le départ, le PRD n'a pas embouché la trompette, je dirais, de la grosse fusion. Et donc, du coup, ça crée ce que ça crée. Les résultats sont allés décrescendo. Seulement qu'il y a l'avènement des législatives de 2023, eh bien, le Parti du Renouveau Démocratique a scellé un mariage pour qu'enfin, eh bien, on ait l'Union progressiste, le renouveau. Et donc, il y a désormais des signes du PRD qu'on retrouve au niveau de l'Union progressiste, le renouveau. Et donc, quand c'est comme ça, c'est qu'il faut maintenant compter avec, je dirais, le PRD, compter avec sa manière de faire sur le terrain, de ne pas le passer, compter avec ceux qui ont été laissés sur le carreau depuis plusieurs rendez-vous électoraux, parce qu'il faut forcément que le PRD voilà, finisse par les positionner. Parce que vous vous souvenez que lorsqu'on élaborait sur... ce qui peut expliquer le fait que le PRD ait fait l'option d'arrimer avec l'Union progressiste, c'est qu'il y avait peut-être bien des accords, il y a bien d'événements, il y a bien d'éléments qui ont concouru à ce que bien les deux se mettent ensemble. Et donc, entre autres éléments, c'est quand même commencé par donner de la visibilité à certains acteurs du Parti du Renouveau Démocratique. Nous avons un ministre du PRD qui est au gouvernement, désormais ministre donc de l'Union progressiste, le Renouveau. Mais il y a d'autres acteurs qui sont sur le terrain et qui ont été mis sous éteignoir pendant une bonne période. C'est vrai que les dernières élections municipales ont montré que le PRD a encore, je dirais, quelque chose à vendre. On va le constater à l'aune des résultats des élections législatives prochaines. C'est-à-dire quoi? Quand on a fait le bilan de l'existant, nous avons 3 députés, Union progressiste, le Renouveau. Nous avons 2 du Bloc républicain. Il y a plus un, et puis la femme, le siège qui est réservé à la gente féminine. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mathématiquement, si on doit s'en tenir, je dirais, à cet apport du Parti du Renouveau Démocratique, c'est qu'on aurait certainement l'UPR qui viendrait en pole position, c'est-à-dire prendre une majorité de sièges, et puis s'arroger donc le siège de la femme. Quand c'est comme ça, c'est que ce n'est plus seulement les 3 députés UPR qui sont en ce moment en fonction, mais c'est maintenant qu'on tient avec non seulement les 3 députés qui sont là, notamment parmi lesquels Hounsa et des Agégué, c'est qu'il faut maintenant y ajouter ceux qui ont des intentions, je dirais, de se faire positionner. Et en plus de ceux-là qui ont des intentions, c'est qu'il faut forcément mettre un accent sur les anciens du Parti du Renouveau Démocratique qui ont resté pendant longtemps sans avoir droit au chapitre. Donc, je crois que
des partis en présence en ce moment niveau, donc en tout cas qui seront en liste pour le comité des législatives prochaines, s'il y a un parti qui a de gros soucis à se faire en termes, je dirais, de réflexion là dans le sens de qui positionner, c'est beaucoup plus l'Union progressiste, le renouveau. Ça n'est pas avec le Bloc républicain, exactement, ce n'est pas le Bloc républicain, certainement pas, même si là aussi il faut forcément rajeunir, il faut dire les choses, il faut peut-être remettre, il faut donner la chance à d'autres acteurs du premier plan de pouvoir faire le job. Mais s'il y a un parti qui véritablement doit vraiment réfléchir sur qui est-ce qu'on positionne, c'est déjà l'Union progressiste, le renouveau. Parce que si on doit citer certains noms qui sont des habitués de l'exercice parlementaire au niveau du PRD, c'est que par exemple l'ancien maire de la commune de Saint-Mec, pour dire, je vais parler de Charles-Main Ronfort, voudra certainement sortir la tête de l'eau. C'est-à-dire quoi? C'est un monsieur quand même qui est dans les SL du président Adrien Mbédi. C'est que sur le terrain, il y a d'autres déjà qui ont fait leur preuve, comme je le faisais constater. Vous allez dans les agrégés, vous ne pouvez pas parler des agrégés sans avoir à faire recours à un certain Ronsa. Et donc, du Victor. Coup, lui également, Victor, il va vouloir forcément que eh bien, les populations rappellent que eh bien, on a quand même un représentant qui a fait un travail pour nous. Donc, on remonte ainsi dessus. Donc, la commune de Porte-Nouveau seule déjà va constituer un gros casse-tête en termes de positionnement pour l'Union progressive, le renouveau. Donc, je me dis qu'en termes de force en présence, l'UPR, oui, d'accord, une longueur d'avance, mais je crains que cette longueur d'avance-là soit plombée par les personnes qui seront positionnées et les envies d'être positionnées. Justement, parce les envies depuis plusieurs années déjà, depuis 2019, déjà même avec la petite querelle ou bien la petite faute qu'on a retrouvée au PRD au niveau de la commission électorale, il y a certains qui se sont fâchés, qui sont partis du parti, qui sont allés se retrouver au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, et qui espèrent, puisque de promesse en promesse, pardon, on leur dit que, bon, pour les communales, vous serez là, les communales sont arrivées, ils n'étaient pas positionnés, maintenant ils espèrent que leur chance c'est maintenant. Je pense à un ami, Joël Alagoué, Joël Émeric Alagoué, justement, un jeune comme ça. Il y a les Joris Dossous, on a constaté qu'il y a des Edmond Agnidé, qui sont également des jeunes qui ont travaillé pour l'UPR. Lui, il devait être à Moël Bénin et il a démissionné en son temps. Vous voyez, les noms que vous citez. Ils sont tous au niveau du l'UPR. C'est sûr que beaucoup en ont. Hein, les noms que vous citez déjà apportent la preuve à suffisance que. Au niveau déjà de l'Union progressiste, le renouveau, il y a tellement d'appétit. C'est des personnes qui n'ont pas été satisfaites en son temps, qui veulent enfin avoir droit quand même au chapitre, quand même. Bon, députés, c'est pas seulement les autres, seuls qui sont députés. Donc, ils se disent, nous avons été les premiers artisans de l'Union progressiste, avant qu'il ne soit aujourd'hui l'Union progressiste, le renouveau. Et donc, on estime que pour avoir clavaché du, il est quand même temps qu'on puisse nous passer le témoin. Donc, ça, c'est déjà au niveau de l'UPR. Ce n'est pas aussi évident que c'est le calme plat au niveau du Bloc républicain, mais alors pas du tout. Parce que là aussi, il y a des jeunes aussi qui, même sans avoir été positionnés pour les législatives et dernières, se sont battus pour que le parti puisse triompher. Je fais allusion à un certain Esdine Bouraïma, qui était le patron du GUF, qui est passé donc, je dirais, en 2020 aux élections communales et qui s'est fait réélire, bien évidemment, avec le Congrès pour la promotion de la démocratie et du développement. C'est un instrument qui a été mis à contribution pour faire booster les résultats. Donc, vous voyez, les anciens du BR qui veulent se faire repositionner, les jeunes, vous l'avez dit, qui ont mouillé maillot et qui veulent enfin... Qui pensent que c'est l'heure qui a sonné pour qu'ils soient récompensés. Parfois, ça ne fait pas bien d'être dans le rôle des positionneurs. Je pense que... Bon, en fait, le gros casse-tête, effectivement, réside dans les positionnements qui seront faits dans la 19e. Parce que, justement, il y a une question à se poser. C'est de savoir si le PRD ou si les leaders du PRD ont réussi à passer l'éponge sur l'épisode douloureux de 2019. Vous avez rappelé tantôt, c'est vrai qu'en 2019, il y a eu un doublon, il y a eu des doublons entre le PRD et Moël Bénin. C'est ça d'ailleurs qui a fait que le PRD n'a pas pu aller aux élections. Il se fait que dans la période, il y en a qui étaient membres du PRD, mais qui sont partis du PRD. Et donc, entre ceux qui sont restés fidèles à la main de la Drongbédi, donc en gardant la maison PRD jusqu'à présent, et ceux qui très tôt ont quitté le PRD parce qu'on les a taxés de traîtres et tout. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le comité qui a été mis en place est aussi impartial pour savoir mesurer les percées aujourd'hui effectuées par ceux-là qui étaient partis très tôt du PRD et qui aujourd'hui peuvent travailler à ce que le PRD puisse retrouver ses lettres de noblesse? Parce que si c'est mal positionné, ça va jouer obligatoirement contre le PRD. Quand vous faites un peu, quand on fait l'analyse dans la 19e, c'est ne pas oublier qu'au niveau pour les communales, le BR a eu 97
élu municipal, dont le BR était en avance sur l'UP. Sur l'UP, qui est de 96. Et donc, c'est vrai que dans la 19e, quand je dis Ouémé Plateau, hein, pour tout ce qui est conseil. Donc, je pense qu'il faut un bon casting. Et si c'est mal fait, ça pourrait jouer contre. Non, dans la 19e circonscription électorale, ça ne vous aurait pas échappé qu'après tout, ça reste le fief du PRD. Aujourd'hui, on peut dire que le PRD n'existe plus parce qu'il s'est fondu au niveau donc, de l'Union progressiste. Ça va à l'avantage de l'Union progressiste. Justement, pour ça, il n'y a pas de problème quand il s'agit du nombre. Voilà, ça fait des additions, ça fait des multiplications. Donc, c'est un peu comme si, ceux qui n'ont pas senti le PRD en son temps travailler à fusionner avec les deux premiers blocs de la mouvance, je veux parler de l'UP et du BR en son temps, la majorité de ceux qui ont quitté donc le PRD étaient allés soit au niveau de l'Union progressiste, soit au niveau du BR. Très peu, là il faut le souligner, sont allés au niveau donc de FCBE par exemple. Donc c'est-à-dire qu'un peu, on se retrouve en famille en quelque sorte, c'est-à-dire pour ceux qui ont quitté PRD au départ et qui sont partis au niveau de l'Union progressiste et qui, aujourd'hui. Qui ont travaillé à soit le parti. Il n'y a que le PRD venu nous dire, bon, écoutez, c'était juste une question de temps pour l'un ou l'autre. Maintenant, comment on évalue la question de fidélité sur le terrain, c'est-à-dire ceux qui ont précédé le patron. Il y a fidélité au niveau de l'UP et fidélité, vous me dites, qui vient, ou en tout cas le PRD qui vient également avec ses fidèles. Oui, il y a fidélité dans fidélité. Voilà, il faut évaluer tout cela. C'est-à-dire que le président Mbedi, par exemple, quand il va aujourd'hui avec, je dirais, sa troupe atterrir au niveau de l'Union progressiste, s'il va travailler aux questions de positionnement ou des propositions de positionnement, c'est ceux qui l'ont suivi en dernière position pour atterrir. Pas ceux qui ont démissionné auparavant et qui ont atterri au niveau du parti. Maintenant, comment lui-même, en ce niveau, au moment de proposer les éléments, travaille sur des questions de fidélité, travaille pour à diminuer au mieux, dois-je dire, les frustrations et autres. La grosse interrogation se pose à ce niveau. Ça veut dire quoi? Que, quand vous prenez le Bloc républicain et l'Union progressiste, on peut sentir l'Union progressiste favorisée, étant donné que le fief, je dirais, est resté pendant longtemps PRD, et le PRD aujourd'hui a une coloration au niveau donc de l'Union progressiste. Oui, alors, n'oubliez quand même pas qu'à Porte-Nouveau, si le PRD n'a pas pu siéger au conseil communal, c'est parce qu'il n'a pas eu les 10% pour les élections communales. Est-ce que ces frustrations sont nettoyées? Est-ce que ces frustrations sont aujourd'hui parties pour que le comité mis en place puisse travailler impartialement? C'est ça la grosse interrogation. Bon, en réalité, je crois qu'on en a parlé lorsqu'on élaborait sur la fusion PRD et Union progressiste. C'est qu'en réalité, on ne devrait plus pleurer sur les renversés. Les 10% ne sont pas du fait, je dirais, des populations. Les 10%, c'est du fait des législateurs. Et quand on compétissait, le PRD savait qu'il y avait une barrière de 10%. Donc, il revenait au PRD d'aller au-delà, je dirais, de Porte-Nouveau et d'aller chercher plus ailleurs pour que les 10% soient une réalité. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Maintenant que la fusion est faite, c'est que, eh bien, on va avec les passifs et puis avec les actifs désormais de l'Union progressiste. On fait le point. Oui. Donc, je crois que, puisque la circonscription, ce n'est pas que Porte-Nouveau, il y a Diarra, il y a les Aguégué, il y a Sénéphodie. Il y a le maire également. Hier, je mettais l'accent sur la proximité des acteurs nouveaux d'avec les populations. Le maire d'Adiara, c'est un monsieur qui investit suffisamment aux côtés des populations à travers, je dirais quoi, le sport et plus les activités. On dirait qu'il a le club Espoir, qui a représenté le Bénin à l'occasion de la Ligue africaine des champions, la phase éliminatoire, appartient à ce monsieur. Donc vous voyez un peu ce que ça peut considérer comme impact en termes, je dirais, d'approche et de gain auprès des populations. Ça, il n'y a rien à faire, ça va forcément impacter. Donc vous voyez, aujourd'hui, le PRD, je pense, comme je l'ai dit, s'il y a un casse-tête à faire, c'est de savoir qui sont ceux-là du PRD compositionne aux côtés de ceux qui avaient déjà notamment mouillé pour ne pas frustrer ceux qui ont compris très tôt et qui sont partis avec l'Union progressiste. Donc, il aura ce déterminant-là qui va être, ma foi, très très important à gérer. Parce que si c'est mal géré, ça peut avoir des répercussions sur les résultats. Les résultats au niveau. Alors, dans la 20e circonscription électorale, nous avons 5 communes.
Nous avons à Djouhoun, nous avons à Promissérité, nous avons à Vrankou, Bonou et puis Dambo. Et sur l'existant, nous avons 3 députés au niveau de l'Union progressiste et 2 au niveau du Bloc républicain. Les 2 du Bloc républicain, c'est Paulin Gbenou et Mathias Kouanou. Et au niveau de l'Union progressiste, les 3 députés, c'est Justin Agbodiété, Augustin Aronvoyevla et Léon Boukovet. Ce sont ces députés-là. Ajouter à ceci, c'est que les 5 sièges passent désormais à 6, puisqu'il y a le siège de la femme qui est désormais créé. Le combat de terrain, ça se fera comment? Avec les formations politiques, les 2 qui sont là et les autres qui se préparent également à participer à ces élections, puisque lorsque je fais le point avec ce qui s'est passé, puisqu'on parlait de l'OME la dernière fois, on a rappelé que les forces Corée-Point-Bénin émergent ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Oui, je crois qu'en fait, la conquête reste et demeure, après tout, une question de stratégie. Vous savez que dans nos réflexions, nous semblons occulter, notamment les forces de l'opposition, qui, du reste, sont en train de s'organiser. Parce que ces forces ont perdu, je crois, en 2019, en 2020, et puis en 2021. Donc, il leur appartient cette fois-ci de revoir l'ingénierie, de sorte que les stratégies leur permettent d'aller à la conquête et de participer en fait au Parlement pour nourrir et porter surtout les idéaux qui sont ceux de leur parti. Vous savez évidemment que c'est dans le contradictoire évidemment que le Parlement fonctionne. Et n'oubliez pas qu'un chef d'État qui est au pouvoir aussi a toujours le désir de contrôler le Parlement, qui reste après tout en fait un centre, c'est le cœur même de la démocratie, parce que tout se joue à ce niveau. Et dans ces conditions, il y a une réflexion qui est transversale. Alors, le PRD que vous avez évoqué, et l'Union progressiste, puis le Bloc républicain. En fait, je parle des grosses machines qui accompagnent le chef de l'État. Et il y a d'autres partis satellitaires, en fait, qui sont autour, tels que Moël Bénin, tels que UDBN, qui se regardent de la mouvance présidentielle. Cette fois-ci, le vocabulaire a changé. On ne parle plus de majorité présidentielle plurielle. Bon, donc, alors, on a une mouvance et on a une opposition. Alors, dans la mouvance, vous voyez qu'au niveau de la 20e, là, il y a une réflexion qui a été faite. On a vu que le PRD, en dépit de tout, est resté maître du terrain. En 2019, en 2020, parce que même si 2019, on l'a disqualifié, dans un match, il y a toujours des acteurs qu'on met pour disqualifier les meilleurs joueurs aussi. Ça passe de la stratégie. Mais on n'a pas oublié que le terrain appartient au PRD. Et avec le recul, le PRD a réfléchi, a compris qu'il y a un seuil électoral de 10% qui reste un handicap et vaut forcément qu'il aille négocier avec les acteurs de la mouvance. La réflexion, en fait, a permis de comprendre que au niveau de la 19e, de la 20e, de la 21e, de la 22e circonscription électorale, rien n'est possible au PRD s'il ne se mettait pas en fusion avec un parti de la mouvance présidentielle. Et puis aussi, la voix a compris. C'est pourquoi le mariage a été, la fusion a été plus aisée. Ceci étant, parce que lors de la constitution des partis, au début, on a constaté qu'en fait, en voulant jouer sur le PRD, qui a fait défection au niveau du Bloc républicain, on a fait un transfert de personnalités, tels que Mathis Adijatou, tels que Dona, ceux de Porte Nouveau, là, pour renforcer, consolider le Bloc républicain, mais on n'a pas atteint les performances. Ça veut dire qu'autour du chef de l'État, il y a quand même une cellule qui réfléchit, politiquement parlant, pour faire le meilleur casting. C'est pourquoi ils sont allés au mariage. Et ce mariage doit justifier le fait que le chef de l'État a toujours le souci de contrôler le Parlement pour pouvoir avoir les conditions de conduire pacifiquement et méthodiquement son péager. Alors, dans ces conditions, vous savez qu'il y a des acteurs qui ont frappé et qui marquent. J'ai connu fortuitement Akon Mathias, qui est député républicain, parce que j'ai fait entre-temps la coalition Bénin en route avec Jean-Baptiste Zonguez. J'ai eu le temps de le connaître. J'ai vu, même au moment où il fallait s'aborder le parti, en fait, la coalition Bénin en route, pour aller à la fusion, c'est chez lui qu'on est allé. Il était maire à l'époque. Il nous a bien accueillis. Là. J'ai vu son engagement, sa détermination. Donc, et je sais qu'il faisait très mal au PRD à l'époque. Donc, il a continué à être un partenaire stratégique. Et comme le chef d'État sait bien, c'est honoré, c'est compter avec ses partenaires, il y a quand même, c'est une valeur. Et autour de lui, il y a des conseillers communaux qui bougent, en fait, la 20e. Donc, il y a de nouveaux acteurs qui vont venir certainement, mais sous le leadership, certainement, de M. Akonou pour le Bloc républicain. Mais à côté, il y a le progressiste qui ambitionne de faire un meilleur score. Et ce qui est sûr, c'est que la bataille se fera entre l'Union progressiste et le Bloc républicain. Les autres partis, je ne les vois pas venir
tout de suite parce que le terrain est très serré. Oui. Et il faut du muscle. Et il faut lorsque vous parlez de terrain serré, j'ai mon regard tourné vers deux circonscriptions électorales. Deux communes dans cette circonscription électorale. Il s'agit d'Avrancou et Akromissérité qui sont un grenier, en tout cas un véritable grenier électoral, surtout la forte communauté tori qu'on voit dans cette zone, Akimé Ousseni. Non, mais c'est évident. Vous avez cité Akromissérité, vous avez cité. Avrancou, vous avez cité. Qui donne deux députés, hein, exactement. Je pense, de deux communes. Vous avez cité Dango et vous avez Avrancou. Et quand on a fait le point, vous vous rendez compte que ça fait 5 élus. 3 pour l'Union Progressive, le Renouveau, et puis 2 pour le Parti Républicain. Seulement que quand on fait un retour sur les dernières élections communales, le PRD vient en troisième position. L'Union Progressive en tête et puis le Bloc Républicain en deuxième position. Et donc, comme je l'ai dit lors de ma première prise de parole au niveau de la 19e, c'est que quand on tient compte de ces chiffres, quand on va prendre la troisième place du PRD, qu'on va ajouter la première de l'Union Progressive et le Renouveau, c'est qu'en réalité, ça fait alors un élément de plus pour que l'UPR sorte, je dirais, première force politique au niveau de cette localité. Avec, bien évidemment, des acteurs à citer. Attendez, fait bien de citer un certain Mathias Kouano au niveau donc, de la 20e, de la région de la vallée, parce que, bon, on parle beaucoup plus de la vallée. Et, bien évidemment, seulement qu'à côté aussi, c'est que, bien évidemment, le Bloc Républicain va forcément se retrouver dans une dynamique où il faut faire peut-être la promotion de certains jeunes, mais l'expérience est dans la proximité avec les populations, ça va certainement peser dans les choix de qui c'est qui va conduire. Il faut parler, hein, parce que les jeunes acteurs politiques, exactement. Surtout dans cette dans région, cette sont en train de se battre. Sérieusement, de façon farouche sur le terrain pour un certain positionnement. Mais constatez que la commune d'Akromissérité, la commune d'Avran, comme vous l'avez dit, sont des communes pourvoyeuses d'électorat. Il y a un électorat homogène au niveau de ces deux communes-là. En termes de population, en termes d'électeurs, ces deux communes produisent pratiquement les 3/5, je dirais, de l'électorat au niveau de cette 20e circonscription électorale. Seulement que, le constat qui est fait, on a l'impression que, je ne sais pas si c'est fait exprès, ce sont ces deux communes qui tirent vers l'euro, les autres communes. À l'arrivée, vous voyez que c'est beaucoup plus la vallée qui est représentée à l'Assemblée avec trois députés. Pendant qu'Akromissérité et puis Avrancou, un député de part et d'autre. Est-ce que les données vont changer au regard des dernières performances électorales? C'est peut-être une question que je pose comme ça. Ça peut ne pas peser, mais c'est un élément peut-être dont il faut tenir compte. Parce que plus les populations se sentent concernées par le positionnement, c'est-à-dire de leurs acteurs sur lesquels elles comptent, plus il y a une mobilisation dans les urnes. Au niveau de l'Union Progressive, il y a quelqu'un qui est resté quand même, je dirais pendant longtemps, la figure de proue. Au niveau, donc, non seulement quand il était au PRD, il parlait d'Augustin Romvaibla, mais aussi il fait partie des premiers rapidement à tourner dos au PRD à déposer bagage au niveau de l'Union progressiste. Il est parti un peu plus tôt. Et ce n'était même pas évident qu'il passe député élu lors des législatives de 2019. Mais pourtant, c'était le cas malgré sa position. Il a été positionné troisième, mais il est député élu à l'Assemblée nationale. Les dernières élections municipales ou communales, j'allais dire, ont montré que toujours dans sa zone, dans la 20e, l'Union Progressive, le Renouveau, à travers Augustin, dans sa bataille, qu'on lui connaît très fougueux, bien évidemment, a quand même réussi à positionner l'UPR comme la première force politique au niveau de la 20e. Même à Avrancou, l'UP est venu en pôle position. Donc, ça veut dire que c'est un monsieur qui, comme on l'a dit hier, quand il s'est agi de Lokosaï, où je tentais de faire dire à Tadé que, c'est vrai qu'il y a des dinosaures, mais véritablement, ailleurs, il y a des dinosaures. Augustin fait partie des dinosaures de la 20e circonscription électorale et rien à faire, il aura son mot à dire à l'occasion des élections législatives prochaines. Donc, est-ce qu'il va essayer cette fois-ci de régler peut-être une injustice entre griffes des populations tori au niveau donc de cette localité? Vous pensez à quoi comporte le nombre d'élus à 3 par exemple, non, de l'autre côté, puisque ce sont ces deux régions qui tirent le reste, c'est dans plus, le boulot. Plus par exemple, à Brancourt, à Promissérité, se sentent bien positionnés, plus les populations se mobilisent. Parce qu'elles se disent à l'arrivée, nous avons nos élus, nous avons. En fait, ce sont des conjectures et ce sont des prises de position des populations qui forcément ont d'incidence. On peut vous dire que nous travaillons beaucoup, mais nous sommes mal récompensés. Oui, dans la
20e circonscription électorale, oui, on note que c'est vrai, les forces de l'opposition, pour l'instant, sont en position de faiblesse dans ces deux circonscriptions, aussi bien dans la 19e que dans la 20e. Mais attention, elles tiennent, elles se battent, ces forces de l'opposition. Et puis, elles ont habitué de l'opposition, un certain... parler de Dambo, c'est bien, c'est Dambo, hein? Oui. Ouais, Dambo, des forces courues pour un bien, par exemple. Bref, comment est-ce qu'il fait pour blesser? Oh, c'est vrai. Dans un cas comme dans l'autre, dans ces circonscriptions électorales, les partis de l'opposition travaillent. N'oubliez pas également que les partis de la mouvance travaillent pour leur arracher, je dirais, cette place. Il y en a donc qui ont travaillé pour que les forces de l'opposition ne soient plus visibles. Et à qui me fait bien de citer tout à l'heure Mathias Kouanou, alias Akouma, c'est le chouchou des femmes dans la zone. Son séjour en tant que CA pour plusieurs années, son séjour en tant que maire de la commune plus tard, la maire de Dango, son séjour en tant que député jusqu'à présent, fait de lui un acteur majeur qui donne la force au parti Bloc Républicain dans la 20e circonscription électorale. Si les FCBE, en quelque sorte, sont déplumés dans la 20e circonscription électorale, on peut dire que c'est à cause de Mathias Kouanou, parce qu'on a vu ses reportages, les activités qui sont menées aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est un peu sans bruit qu'il fait son travail de mobilisation, de remobilisation de la troupe. C'est un peu comme si c'est sans micro et caméra, mais sur les réseaux sociaux on voit qu'il fait un véritable travail sur le terrain, et voilà l'acteur qui désormais est quelque peu craint au niveau même de l'Union progressiste Le Renouveau, qui bien entendu est au devant en termes de force, parce que là nous avons souligné tout à l'heure que l'Union progressiste a trois de ses députés à l'Assemblée nationale, pendant que le Bloc républicain en a deux. Mais les deux font un grand travail. Mathias Kouanou en premier, bien entendu. Paulin Benou, qui est, je dirais, le deuxième député du Bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. Oui, donc, bref, c'est ce que nous allons noter. Maintenant, quand on parle également d'Augustin Aranvoy-Ebla, qui est un habitué de l'exercice, qui est parti plutôt au niveau du PRD pour au niveau de l'Union progressiste, dont il est également membre fondateur, les rancœurs, les retrouvailles avec le PRD, parce que PRD n'a pas totalement digéré, je dirais, ce départ d'un de ses grands éléments en son temps. Aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment parvenu à faire passer l'eau sous le pont? Comment on va travailler ce remariage entre le PRD qui a donné voilà. Le renouveau. C'est de façade. Est-ce qu'au fond, n'est-ce pas, les choses vont se passer comme ça pour que le parti, les rancœurs ne viennent pas de manière à ce qu'on puisse être en train sur le terrain de se pétanquer. Genre, sur ce terrain, il faut tout faire pour mettre les bâtons dans le roue de l'un et l'autre. Nous sommes sur un terrain politique. On va voir, vraiment. Oui, on a tous reconnu cette hégémonie-là du PRD dans la zone, mais ça n'a pas empêché le BR, en son temps pour les communales, d'être la première force politique de la 19e et de la 20e, donc de Lomé en général. Oui. Et quand on fait un peu le débat dans la 20e, il y a des non-dits. Ces non-dits, c'est que la première dame est de cette zone. À Vranco. Est-ce qu'elle sera positionnée? Est-ce que ça va fonctionner? Attendez. On a connu des premières dames qui ont siégé au Parlement. On ne sait pas si. Attendez, non. Ça pourrait être la surprise. Ensuite, il y a notre collègue. Et on a connu des premières dames bien positionnées, même s'ils n'ont jamais siégé. Il y a notre collègue, Roland Darkefa, qui aujourd'hui est en parfait attelage avec Mathias Kouanou, parce qu'il a compris que dans cette 20e là, on ne peut rien sans cet homme. Alors si le calcul qui a permis à OBR de pouvoir performer pour les communales, si ce calcul est maintenu et qu'on sait à qui il faut s'adresser pour avoir les éléments aujourd'hui qui font la 20e, je pense que ça pourrait faire beaucoup et beaucoup mal, parce que n'oubliez pas, il y a des conseillers communaux qui travaillent sérieusement. Il y a Christelin Baudinon qui est un conseiller communal qui
du côté du Bloc républicain, qui fait également un travail formidable. Parce qu'il a réussi à se faire élire dans son arrondissement. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux aussi. Oui, non, parce que vous avez parlé de... Non, j'ai encore rien dit. Non, je sais pas ce que vous voulez. J'ai encore rien dit. Non, ils sont nombreux dans la zone, mais qui travaillent sous la coupole de Mathias Kouanou. Si, je pense que c'est, tout se passera un peu dans Alors, sont-ils candidats? Ont-ils des ambitions? Ont-ils déposé des dossiers pour aller à ces élections? C'est également des questions que l'on se pose. Qu'ils aient des ambitions ou pas, j'ai entendu dire qu'il y a des partis politiques qui ont exigé de certaines personnes qu'elles présentent leur candidature. Mmh. Parce que ces partis politiques savent ce que cette personnalité la représente dans leur zone. Si vous laissez des gens qui ont une certaine influence dans les zones, et que vous allez prendre ceux qui ont fait leur adhésion il y a 6 mois, ou qui ont fait leur adhésion il y a 3 mois, qui pensent qu'ils vont conduire les têtes de l'État. Ce qui est intéressant dans cette affaire, si vous permettez, c'est que c'est l'une des rares fois où on dépose les dossiers, on ne sait pas si on va être positionné ou pas. ils sont nombreux à déposer les dossiers. Vous ne verrez personne. Tous ceux dont on cite les noms, qui ont été aperçus dans une certaine dynamique positive, hein, dans le sens de faire booster les choses au niveau de leur formation respective, presque tous ont déposé les dossiers. Parce qu'on leur a dit que c'est l'euro qui décide. J'aime bien cette parade, quoi. C'est-à-dire qu'aucun responsable politique ne veut porter la charge de n'avoir pas positionné. Non, finalement, la charge sera portée. Lorsque la liste sera rendue publique par le Sénat, on dira à chacun, c'est pas moi qui a décidé. C'est le rôle qui a décidé. Seulement que dans le rôle qui décide, il y a quand même des repères. Il y a des éléments qui permettent au rôle, si c'est le rôle qui décide en dernier ressort, de faire le choix. C'est pour ça que en termes d'engagement, en termes de militantisme, en termes d'apport sur le terrain, le haut doit tenir compte de ces éléments. Le haut ne restera pas dans ces 4 murs pour tirer au sort. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça à l'occasion des SU et de tout le bataclan technique au niveau des collectivités locales. Mais c'est que le haut doit tenir compte de l'existant, tenir compte de la proximité des populations d'avec certains acteurs. C'est pour ça qu'on a parlé de casting et de stratégie. Parce qu'en termes de stratégie, il y a des partis vieux qui ont quand même des manières de faire déjà sur le terrain, qui seront reversés. Des acteurs vieux qui seront reversés dans la balance en son temps. Il y a des acteurs qui sont transversaux. J'ai dit par exemple dans la 13e ou la 14e, possibilité pour un acteur d'être positionné dans la 13e ou dans la 14e parce qu'il est bien présent sur les différentes zones. Au niveau de la 19e et la 20e, aussi possibilité pour un certain Augustin de se voir venir travailler dans Porte-Nouveau, repartir également, battre campagne, faire ce qu'il a fait au niveau. Il est habitué à cela. Exactement. Ainsi de suite. Donc je me dis que aujourd'hui, le travail qui va. D'accord. C'est un travail titanesque en termes, je dirais, de positionnement. C'est peut-être pour ça que très tôt, les listes, je crois qu'on a déjà clôturé cette affaire de dépôt de liste à l'interne, au niveau des partis, et que le haut est assis depuis quelques jours déjà. Avec le bille rouge, en tout cas, dans le week-end, quelque chose va se passer au niveau du haut. Je pense qu'ils auraient dû présenter des listes au crayon. Comme ça, avec une gomme, on va évoluer. Dans la même veine qu'à Kimé, vous voyez le président Joseph Diogbonou peut-être présenté dans la 16e ou bien dans la 23e. Demain, nous serons dans la 23e et la 24e. on parlera, il y aura peut-être un rapprochement 23e et 16e pour voir un peu ce qui va se passer. Oui. Pour le complément d'information, c'est que au niveau des mairies qui sont contrôlées par les deux formations politiques les plus grandes, c'est Adjoum qui est contrôlé par le Bloc républicain, sinon que les 4 autres de cette circonscription électorale sont contrôlés par l'Union progressiste, devenu le renouveau. Alors, dans la 21e, nous avons Adjara, Ifani et Sakété. Dans la 22e, nous avons Kétou et Poubé. Ça fait pratiquement 5 communes. Nous les mettons ensemble, 21e et 22e, pour gagner du temps également, pour beaucoup plus élaborer là-dessus. L'Union progressiste. C'est Adjaouéré plutôt. Adjaouéré. Merci. C'est le vieux Fabo. Oui, c'est ça. Adjaouéré, Ifani et Sakété. Là, nous sommes dans la 21e. Et dans la 22e, nous avons Kétou. Tout est pour vrai. Merci à la réalisation avec Christelle. L'Union progressiste a 2 députés.
Louis Vlavonou, Abiyosé Razak. Mm-hmm. Et puis, au niveau du Bloc républicain, c'est une dame qui, par la suite, a quitté hein, mm-hmm. pour se retrouver au niveau de l'Union progressiste. Et puis, à Kétou, nous avons Jean-Michel Abimbola qui avait été élu député, mais qui a décidé donc de rester au gouvernement, donc qui a été appelé au gouvernement. Oui. Il a été appelé au oui, gouvernement. Et son suppléant, Hilaire Adoum, qui le remplace. Nous avons un autre Jean-Pierre Babatoundé, mais lui, malheureusement, il a été décédé en 2021 et remplacé par son suppléant, Kodjo Louis Dossou. À côté de ces acteurs, nous avons également d'autres acteurs. Peut-être que dans nos élaborations, nous irons à leur découverte ce matin. Comment voyez-vous le maillage de cette circonscription électorale avec les deux formations politiques et les autres formations politiques qui s'y ajoutent? Oui, si on prend, comment on va les prendre ensemble pour gagner du temps, 21e et 22e circonscription électorale, ça devient, je dirais, les circonscriptions électorales des grands dinosaures, des grands dinosaures, notamment au niveau du Bloc républicain et de l'Union progressiste, où on sent qu'ils vont vraiment se rentrer, ils vont vraiment se rentrer dedans. C'est de souhaiter que les choses se passent sans casse. Je pars du constat, oui, vraiment sans casse. C'est de constater que vous avez un Sefou Fagbo Bloc républicain, sa fille est par le passé Bloc républicain, aujourd'hui Union progressiste, le renouveau, comment les choses vont se passer, parce que un, Karamato Fagbohun avait également la caution de son père, avait la caution de son père, mère pour un temps avant que les manœuvres politiques ne viennent la déposer. Alors quand on part de ce constat, on se dit mais comment les choses vont se passer, parce que on a noté qu'après sa démission, le papa a encore réaffirmé son appartenance au Bloc républicain. Or, le père avait travaillé aussi pour que sa fille, toujours Bloc républicain en son temps, n'est-ce pas, puisse avoir le devant, bénéficier du devant des choses. Est-ce que Karamat Fagbohun, qui va au niveau de l'Union progressiste, emporte, je dirais, l'électorat du Bloc républicain appartenant à son père? Quand je dis ça, ça prend la lutte d'une certaine propre électorat. Ah, oui, à son électorat. Lui. Non, on dira pas les choses. On ne dira pas les choses comme ça de façon si métallique. Chacun a son électorat, certes, mais il y a que la fille a bien puisé dans l'électorat de son père par le passé. Pour moi, comment les choses vont se passer? Est-ce qu'on prendra la famille politique qu'on mettra devant? Est-ce qu'on prendra la famille biologique qu'on mettra de l'autre côté? Maintenant, quand vous revenez au niveau de deux ministres qui démissionnent l'un d'un premier de son premier parti, donc au niveau où on sent Jean-Michel Abimbola qui a démissionné du Bloc républicain pour aller maintenant au niveau de l'Union progressiste, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire on a noté une certaine fidélité de ses anciens partenaires donc à son ancien parti, ceux qui lui ont voué une certaine fidélité pour que même au niveau de l'Assemblée nationale, deux députés lui étant fidèles ont également démissionné. On a senti bien de membres politiques qui ont démissionné. Donc, on note une certaine force derrière Jean-Michel Abimbola qui apporte à l'Union progressiste. Et ça ne vous aurait pas échappé que tout récemment, il y a cette déclaration d'adhésion du ministre Salman Karim, qui est lui aussi un acteur non négligeable dans la région aussi bien de Kétou, dans la région de Sakété où il réside et autres. Donc, il y a cet attelage-là qu'il faudrait faire et évaluer maintenant les forces des uns et des autres. Pour moi, je vous ai toujours dit, les adhésions et autres interprétées comme des additions, comme des multiplications. Maintenant, quand on va quantifier les choses, ça va à la faveur de qui? C'est la grosse interrogation. Alors, quand on fait un point sur l'existant, j'ai rappelé hein, les députés de l'Union progressiste, les députés du Bloc républicain, mais il s'est fait que les deux députés du Bloc républicain ont démissionné du Bloc républicain pour se retrouver à l'Union progressiste. Donc, sur le terrain, en ce moment, le Bloc républicain n'a aucun député dans les deux circonscriptions, dans ce département du plateau. C'est un séisme politique. Et puis, vous savez que Sefou Fagbohun, vous venez d'en parler, reste un acteur majeur et puis son orientation va déterminer les choix qui se feront. Vous savez, il y a Karamatou, en fait, qui a apporté une précision. Parce que ces détracteurs ont trouvé une stratégie, ils ont communiqué pour montrer qu'il y avait une dichotomie, il y avait un hiatus entre son papa et elle. Mais elle a dit non, que en fait, son père, Sefou Fagbohun,
est avec elle. Donc, en allant à l'Union progressiste, en allant d'abord au PRD, puis à l'Union progressiste, elle est partie avec son père. Ça veut dire que Séoufal Bouhoun n'est plus derrière le bloc républicain. Dans ces conditions, c'est pourquoi j'ai dit, mais c'est un séisme politique. Et Abim Bola, qui a marqué le département et qui est parti avec deux autres députés, forcément, provoque un séisme politique à nouveau. Donc, dans ces conditions, c'est que le bloc républicain a du mal à s'afficher à nouveau. Il n'y a que le ministre Salman Karimou, c'est vrai, il a un électorat enseignant. Parce qu'il est resté avec les enseignants, il a un coaching qui lui marche, là. Mais est-ce que cet électorat permettra, avec Clotaire Oligindé, de pouvoir porter l'étendard du bloc républicain dans la 22e circonscription électorale, qui est aussi une circonscription stratégique. Mais je vois qu'en évaluant les forces en présence, c'est l'UPR, en fait, qui a une longueur d'avance, vu les nombreux désistements et la consolidation, évidemment, des bases de l'Union progressiste dans la zone. Mais évidemment, c'est en politique qu'on dit souvent que de la théorie à la pratique, elle n'est pas inscrite, parce que ce n'est pas aussi mathématique que ça. S'il n'y a pas de citadelle imprenable, il y a toutes les citadelles mal attaquées. C'est tout plus la stratégie. Oui, je note que nous sommes dans une zone un peu complexe et complexifiée par le fait qu'il y a des démissions du BR pour l'UP. Parce que les sièges ne sont pas élastiques. Il ne s'agit pas d'un banc d'église où on peut s'asseoir et continuer à l'autre bout. Il s'agit de sièges à pouvoir. Et donc là, nous avons le président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité de ce pays, qui doit jouer, qui doit montrer qu'il a eu des raisons d'être député de la zone, d'être président de l'Assemblée nationale. Louis Blavonou. Et donc autour de cette personnalité-là, tout peut se jouer dans cette région-là. C'est vrai qu'il y a d'autres qui vont effectivement, qui l'accompagnent également. Mais il n'y a qu'un mauvais casting, un mauvais positionnement peut faire en sorte que dans cette zone-là, le BR qui compte aujourd'hui sur cette adhésion de Salman Karimou, d'un certain Simon Dinan et d'un certain Matami qui est de l'OJBR, sans oublier un certain Aladji Tajou, que le BR puisse trouver ces éléments dans la désunion ou dans la désorganisation qui pourrait intervenir au niveau du casting de l'Union progressiste. Donc c'est à ce niveau, n'oubliez pas qu'il y a d'autres jeunes qui rêvent aussi d'être députés. Est-ce qu'on maintient le système tel? Parce que si vous associez les personnalités qui sont déjà en vue, vous voyez que les sièges sont déjà pourvus. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à ajouter. Alors qu'il y a des jeunes qui veulent faire. Donc si jamais ils font erreur, il y a une certaine erreur dans cette zone-là, ça peut contrebalancer au profit du BR qui fait un travail colossal. On peut parler d'un certain Aladji Tajou, je pense qu'il n'est pas BR, il doit être Union progressiste. Oui, voilà, il est Union progressiste. Voilà, il est Union progressiste. Donc c'est pourquoi je dis, ces messieurs-là veulent aussi prendre leur part de feu à l'animation de la vie politique au Parlement. Donc il y a beaucoup d'énigmes dans cette zone-là. Dans cette zone, on vous écoute, Hakimé, pour votre élaboration. L'énigme, c'est évident, au regard de cette transhumance. Si je puis ainsi le qualifier. C'est ça. Parce que dans l'un ou dans l'autre des cas, ça fait déjà dommage que des populations se soient mobilisées dans les urnes pour élire, je dirais, un acteur sous la bannière d'un parti politique bien précis, et que vous voyez, nous sommes à la veille d'une échéance électorale, et que, eh bien, pour un certain, c'est-à-dire pour une certaine fidélité, c'est-à-dire ces acteurs décident. Finalement, c'est un peu une fidélité aux populations. Oui, parce que j'aurais bien aimé qu'on dise que les populations se sont mobilisées pour dire, bon, messieurs les députés, parce que, bon, voilà, nous voudrions désormais déposer bagages au niveau de l'Union progressiste. Ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas entendu, eu consultation de la base. On a eu des notes qui ont été envoyées, des démissions au parti pour dire désormais, pour convenance personnelle, donc convenance, je dirais quoi, de fidélité, eh bien, nous déposons bagages désormais. Alors, il y a eu des endroits où c'est juste parce qu'on a été retiré d'un groupe WhatsApp, donc quand on a démissionné. Quand on prend ainsi la configuration désormais, au lieu de tel nombre de députés pour le BR, on en a moins deux. Ça fait partie des chantiers premiers sur lesquels les honorables qui seront à l'Assemblée doivent forcément se pencher pour qu'on règle cette question d'escroquerie des populations. Pas c'est de l'escroquerie des populations. La transhumance. Il faut des choses comme ça. Ça, je reste vraiment radical là-dessus. Maintenant, quand on a fini de dire ça. Cet aspect permettez, je ne suis pas d'accord sur la terminologie. Je sais que vous ne serez pas d'accord. Parce qu'en fait, quel type de vote que nous faisons? Les populations ne votent pas un parti, ils ne votent pas une idée. Ils votent une tête, ils votent une personne. Exactement. Qui est devant? Donc, que ce soit des changements que vous qualifiez en fait de transhumance, ça peut être du nomadisme.
il n'y a pas de problème. Quand on quitte un parti pour un autre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a peut-être mal fonctionné. Alors, il a pas. Non, mais je n'ai rien contre qu'on quitte. Mmh. Quand vous avez quitté, vous perdez le titre. Mmh. Mais oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Mmh. Au fait, mais c'est ça que je parle. Je ne parle pas de. Ils sont libres de partir où ils veulent et quand ils veulent. Mais je dis que quand on a un mandat, c'est un débat qu'on peut faire après. On va le faire. Oui, c'est simplement qu'on sache que M. Akimé, il a suivi qu'on sache que M. Akimé, par exemple, dans la Tonga, est sur une liste telle. Et c'est terminé, les gens vont suivre. Oui. Parce que mais c'est M. Akimé. Et l'effet d'attraction. On fera ce débat peut-être la semaine prochaine pour parler un peu du statut des députés. C'est pour dire un peu, vous voyez le vide que ça a créé et le casse-tête que le BR a géré au niveau de la 22e tout au moins. Ketou et puis Pobert. Emmanuel fait bien de rappeler un certain Akadir, il nous avait dit, Tadjou, ancien député. Un opérateur économique qui travaille toujours à être présent aux côtés. Parce que vous voyez, ce sont des élections de proximité. Élections communales, élections législatives, ce sont des élections de proximité. Et la population s'identifie à travers qui c'est qui. Donc, en fait, c'est la question qu'on se pose. Quand on a la réponse, c'est qu'on va vers. Donc, Tadjou, certainement, aujourd'hui, a bien envie, avec son appartenance à l'Union progressive du renouveau, ancien vice-président du PRD, dans son temps. Bien évidemment, donc, c'est un acteur clé du système, c'est un acteur qui sait de quoi il est question. Qui a quitté le PRD et qui est membre fondateur de l'Union progressiste. Qui est devenu l'Union progressiste du renouveau. Donc, ce sont des cadres qui seront joués au niveau de la. Donc, qui retrouve dans ses camarades. Exactement. Ce sont des cadres qui sont au niveau de la 22e, au profit, bien évidemment, de l'Union progressiste du renouveau. La réaction va être laquelle ? Au niveau de la 22e et beaucoup plus pour le BR. Le ministre Salimane Karim n'est pas dans la 22e, il est dans la 21e, mais n'empêche que le combat de la 22e interpelle le ministre Salimane Karim. Donc du coup, c'est qu'il va travailler à ce que ces acteurs qui ont pris fait et cause pour lui puissent véritablement battre. C'est-à-dire quoi? Il doit forcément venir par exemple au secours d'un certain Protéoli, de Pobert. On ne va pas oublier aussi que, eh bien, madame le maire de la localité aussi fait un travail formidable au niveau de cette localité. Donc, du coup, ça pose un problème de c'est quoi la stratégie à mettre en place. On se rappelle par le passé qu'avec le père Fabourou, il y avait possibilité de quitter sa circonscription pour aller bagages dans une autre circonscription. Et histoire de se faire tranquillement. Histoire de pouvoir conduire quelqu'un qui était en difficulté. Bref, bon, est-ce que au lieu d'aller déposer quelqu'un, on peut aller au moins mettre à disposition les moyens, je dirais quoi, les stratégies afin que les forces en présence puissent émerger à travers, donc, je dirais, le combat qui va être fait sur le terrain. La question reste entière, mais a priori, c'est que le BR semble être en difficulté au niveau donc, de la 22e. La 21e, Karamata a beau tout dire, papa est avec moi et tout ce qu'il y a autour, c'est que ça ne... Vous voyez, elle est dans la réaction, elle n'est pas dans l'action. L'action, c'est que les populations de la zone disent que non, le père reste toujours BR. Et d'ailleurs, la tournée du secrétaire exécutif national du Parti Bloc Républicain a apporté la preuve à suffisance que eh bien, le BR et puis le père Fabourou, je dirais, sont. Voilà, c'est un mariage entre les deux. La fille dit qu'elle part avec papa. Bien entendu. Papa dit qu'il reste. Papa dit qu'il reste Bloc Républicain. Les populations qui ont adoubé papa en son temps, du MADEP, le coq, bien évidemment. Est-ce que le coq... Le jeune coq. Continuera toujours pas à chanter dans certaines maisons au regard de ce que papa avait été pour des populations de la zone et environ. Parce qu'il y a un devoir de reconnaissance vis-à-vis de certains acteurs. Un acteur comme Fabon, plusieurs populations lui restent encore redevables. Est-ce que Fabon va être obligé de leur dire... Vous pouvez faire une déclaration pour dire je suis vraiment Bloc Républicain. Est-ce que la fille Karamata va continuer par rappeler à tue-tête que papa est avec elle oui. Mais seulement qu'à ce niveau maintenant, c'est qu'on ne va pas oublier qu'elle a été pétanquée au niveau de la mairie d'Adjaouere. Et que c'est du fait des manœuvres politiques et politiciennes. Elle est allée un peu plus tôt au niveau du PRD et ensemble ils ont pris bagaille pour aller s'asseoir au niveau de l'Union progressiste pour en faire l'Union progressiste le renouveau. Est-ce que ce couloir qu'elle a emprunté pour aller certainement chercher la bénédiction d'un certain Adrien Mbedi va peser dans la balance en termes de position? Parce que quand même, Karamata, maire déchu, ce qu'elle aurait voulu, c'est qu'elle soit positionnée. Ouais. Ça, c'est quand même tout ce qu'on peut donner à Karamata pour cette Je pense que ce terrain, Karamata, peut-être à la
à l'avantage pour ce qui est des sièges réservés aux femmes. Parce que justement, il y a déjà une bataille très serrée qui va s'annoncer au niveau des têtes de gondole, des dinosaures de cette région. Donc oui, que Papa soit du BR, que la fille soit de l'Union Progressiste de Renouveau, c'est pas mauvais, mais quand on va revenir sur le débat des migrations, parce que n'oubliez pas que les migrations dans cette région-là, vous savez, chaque situation avec ses réalités. Ce qui se passe dans ces zones-là n'est pas ce qui se passe à Cotonou. Là-bas, c'est que la population vaut une certaine fidélité. Il y a même le culte de la personnalité dans ces régions. Je me rappelle encore comme c'était, j'ai été en position de reportage dans la zone d'Adjaware, chez Fabo Moussefou, à la maison. Mais ce monsieur, quand il sort, c'est comme si c'est le roi. C'est-à-dire qu'on l'accompagne, on fait tout. Et là, je rappelle que c'est sous le leadership de Malik Gomina qui m'a dépêché socialement pour aller faire ce reportage dans cette région-là. Voilà. Je rappelle, c'est ça qui est pour un privilège. On est en train de voir la politique. On est en train de voir l'Union progressiste. On est en train de voir le Bloc républicain. On a vu que le Bloc républicain s'est vidé un tout petit peu de sa substance au profit de l'Union progressiste, alors qu'au niveau de l'Union progressiste, nous avons beaucoup d'autres acteurs qui étaient là et qui certainement attendent ce moment pour véritablement s'exprimer. Mais à côté, on parlait des partis de l'opposition. Vous savez qu'il y a d'autres formations politiques de l'opposition qui ont quitté l'opposition et qui sont partis également au niveau de l'Union progressiste, un peu comme le parti LNA. Clément Koutiade, j'ai rien contre. J'ai même aucun intérêt à avoir quelque chose contre quelqu'un, mais ça va pas du tout. Clément Koutiade, le nom, ça résonne. Oui. En CFCBE. Exactement. Oui. Au fait, c'est l'introduction de force de l'opposition qui m'embête. Parce que nous avons reçu ici, d'ailleurs, le président en son temps de la LNA. Il ne nous a jamais dit qu'il appartenait à la mouvance ou à l'opposition. Il s'est suffisamment cherché. Il a fait le mieux par la suite. Maintenant, est-ce que Clément Koutiade. Et on a oublié de lui agrafer opposition LNA. Non, je préfère plutôt Koutiade Clément en tant qu'acteur politique de rang, d'envergure, qui a un plus à apporter à l'Union progressiste, le renouveau. Sinon, le signe distinctif que vous lui accrochez là, si vous devez forcément le lui accrocher, ça risque de lui créer des... D'accord, on évolue, on vous écoute. Vous voyez qu'il était intéressant pour clarifier sa position. Non, il faut avouer que les partis de l'opposition ont du mal parce qu'ils ont été très éprouvés. Si bien qu'on se demande qui est opposant, qui n'est pas opposant. Bon, vous voyez bien que si le parti que vous avez cité, LNA, elle est centriste parce que c'est... Non, pas centriste, il n'avait pas d'opposition. C'est un parti, politique. Non, mais il est arrivé aussi que le ministre Abiola a créé un mouvement et a dit que lui il était la troisième voie. Oui. Pas la suite. Oui, il s'est bien positionné. Mais oui, pas et plus tard, il s'est repositionné pour le ministre François Abiola. Ah bon, c'était clair. Oui. Encore quelques secondes. Au Bénin, en fait, les acteurs politiques jouent leur survie politique. Et il faut peut-être souhaiter qu'on travaille pour éviter les perfidies politiques. Parce que vous avez vu, là, la sortie du ministre Kanda Zanaï. Il a apporté beaucoup de précisions sur le comportement des acteurs. Bon, je ne vais pas citer celui qui l'a crucifié. Donc, il faut quand même qu'au niveau du pays politique, que nous revoyons les terminologies et que les acteurs soient plus responsables dans leur choix. Parce qu'on veut éduquer une jeunesse. Et parlant de jeunesse, je crois que dans la 18e, on avait eu une polémique hier. Hein? Bon, hier, j'ai échangé avec un acteur, je l'ai traité de vieil acteur politique, il m'a dit non.
que la jeunesse, il y en a par rapport au calendrier, il y en a aussi par rapport à l'introduction de la vie politique, parce qu'il faut voir le nombre d'années de militantisme requis pour qualifier des vieux ou de jeunes. Et en plus, quand on parle de jeunesse, c'est aussi une jeunesse d'esprit. Et que je ne dis pas que vous devez être vieux, il y a des d'accord, si c'est ça. Je pense que, comme vous l'avez dit, beaucoup d'acteurs jouent leur suivi politique. Oui. Parce que, surtout pour ces ministres-là qui ne sont pas sûrs de retourner au gouvernement et qui vont sans doute chercher comme refuge le Parlement pour continuer d'exister politiquement. Non, je pense que c'est, ça saute à l'œil. C'est une leçon déterminante. Après les législatives de 2023. Il n'y a rien à faire. Les lignes vont bouger. Mmh. Parce que 2023, on l'a clamé haut et fort, prépare 2026. Il n'y a rien à faire. On aura de nouveaux acteurs qui vont être consacrés. Il y en a qui vont jouer peut-être le second rôle, ceux qui vont jouer le premier rôle et tout ce qu'il y a autour. Donc, du coup, vous voyez, c'est ça qui explique l'appétit aiguisé là où chacun veut forcément. Oui, et l'insomnie voilà. Que cela donne également à ceux qui vont se positionner. Qui sont ceux qui feront. Les élections de 2023, c'est une grosse question et je pense que nous allons revenir en plateau pour en parler puisque les jours se comptent déjà au bout des doigts. La Sénat qui attend au plus tard le 2 novembre prochain le dépôt des dossiers de candidature pour les partis politiques. Quelque part, Unro décidera du sort de deux formations politiques. Quelque part, les acteurs de premier plan décideront du sort de leur formation politique. Et quelque part, nous autres, nous reviendrons pour nous poser un certain nombre de questions. Qui c'est qui est député, qui est parlementaire ou qui est législateur? Oui, qui est législateur. Qui est honorable député. Honorable député. Voilà. Qui est législateur. On fera le débat autour. Demain nous serons dans la 23e et la 24e. Oui. Je pense à cette thématique parce qu'en fait, il y a des insomniaques. Vous savez, quel chef d'État, après l'élection de 2021, a réuni les acteurs et leur a dit bon, je ne compte pas changer l'équipe parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, l'équipe gouvernementale. Mais il a fallu que ça lui vienne parce qu'il y a eu beaucoup de crises. Donc il faut cette fois-ci qu'on canalise et qu'on prépare les gens à cela pour qu'on n'ait pas rempli le CHU de l'équipe. Il y a une absorption à Chia, donc c'est bon. Il y a assez de place. Vous voulez dire c'est très temps. Allez, on va dire merci à toute cette équipe pour ce travail titanesque formidable que vous faites depuis quelques jours pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre un peu le comportement, l'ambiance, l'atmosphère dans les différentes circonscriptions électorales. Demain, nous allons boucler avec la 23e et la 24e. Et on va dire un grand merci à ces différents acteurs qui nous accompagnent et qui nous suivent beaucoup sur Canal 3 Bénin. Je pense à un ami, Cyril Baguidi. Merci beaucoup. Merci à vous, Wakaba Lipara. Merci. À vous, le Francis Atadé, Herman Aniambosu, quelque chose à dire. Merci aussi à Dr Kifouli qui m'accompagne aussi dans mes. D'accord. On dirait qu'il s'assoit devant la télé pour vous accompagner. Il n'y a pas cette zone que vous allez aborder où il n'a pas vous accompagner. D'accord. Et il vous écrit d'où? Je ne savais pas. Il m'écrit. Merci à Kimé. Vraiment. Allez, mesdames, messieurs, merci de votre attention chez vous. C'était Actu Matin. Portez-vous bien, gardez le sourire. Voici pour vous la revue de presse pour boucler. Bonjour à toutes et à tous. À la une de la presse ce matin, la Cour constitutionnelle et le président de Moël Bénin, Jacques Ayadji, débouté par la plus haute instance juridictionnelle. Le patron de la formation politique avait formé un recours contre les pièces de candidature aux élections législatives. Dans la décision de la Cour, rapporte l'autre quotidien, Jacques Ayadji est débouté. Le télégramme donne les détails de la décision écrit que le président de la Commission électorale nationale autonome, Sakala Fia et ses pairs, n'ont pas violé le code électoral et la Constitution en ce qui concerne les pièces qu'il faut pour la constitution des dossiers de candidature pour les législatives de 2023. Le matinal citant la décision explique que la Sénat n'a fait que préciser les pièces requises pour la constitution du dossier de candidature aux élections législatives en vue d'en assurer la régularité et la sincérité, conformément à la Constitution et aux décisions du Code électoral.
que dès lors, il y a lieu de dire qu'il n'y a violation ni du code électoral, ni de la Constitution. En matière de finances, Bénin Intelligent renseigne que le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Ouadani, a signé le samedi 15 octobre un accord de financement avec le président du groupe de la Banque islamique de développement. Ce financement d'environ 12 milliards de francs CFA contribuera à la mise en œuvre du projet intégré de développement des chaînes de valeur. La cérémonie de signature de cet accord s'est déroulée à Washington, aux États-Unis, en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Dans sa parution du jour, le Télégramme informe que l'ancien député Guimi Tocqueville répond à Zanaï. Selon le journal, ne voulant pas réagir de façon directe après les propos venant de son ancien mentor, l'ex-député a simplement répondu à mots voilés. Ne nous laissons pas distraire, allons gagner le cœur de nos compatriotes sur le terrain. Pour le matinal, appréciant le passé du jeune acteur politique à travers ses prises de position sous la bannière de son ancienne formation politique à restaurer l'espoir, Eugène Azatassou dit n'avoir aucune confiance aux propos des candidats Zanaï. Matin Libre s'intéresse à une autre portion des déclarations de candidats Zanaï lors de sa sortie médiatique dimanche. Le statut du parti qu'on appelle les démocrates, c'est un parti de la mouvance présidentielle. Oui, les démocrates, c'est un parti de la mouvance présidentielle. C'est pas un parti d'opposition, répondait-il à une question et en titrant à Zanaï, les démocrates, c'est quoi le problème? Le journal estime, entre autres raisons, que la probable, c'est que pour candidat Zanaï, ce sont des responsables du parti les démocrates qui alimentent les soupçons d'espions de l'opposition qui lui sont attribués à tort ou à raison. Dans la suite, Bénin Intelligence s'intéresse à l'occupation des emprises des lignes électriques et informe que du 3 au 27 octobre 2022, une délégation de la Direction générale des ressources énergétiques des deux structures explique aux populations les conséquences fâcheuses de cet incivisme. À en croire le journal, les périmètres immédiats des lignes électriques ne devraient pas être occupés, mais le constat récurrent montre que ces emprises du réseau électrique de la SBEE sont de plus en plus pris d'assaut par les populations à des fins commerciales ou d'habitation, ce qui a de graves répercussions sur la vie et la santé des populations. Un fait de société avec le potentiel Info Matin qui prenne la défense d'un enfant de 16 ans rejeté par son père. Selon le potentiel, le père est poursuivi devant la justice béninoise par la mère du garçon pour refus de paternité alors que des relations intimes ont existé entre les deux en 2006. Info Matin relate que les premières dénégations remonteraient déjà à cette période. C'est alors qu'il y a peu, la brigade des mineurs a été saisie de l'affaire et le père a été convoqué pour audition sur procès-verbal. Mais il n'a pas reconnu être le père biologique, malgré un test ADN qui le désavoue. En une de fraternité, Bertin Mubonzi, président du réseau des parlementaires africains, membre des commissions défense et sécurité à Kinshasa. Bertin Mubonzi, député de la République démocratique du Congo, président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale de son pays, décline ses ambitions, croyant fermement que le destin de l'Afrique se trouve entre les mains des Africains, écrit le quotidien. Il compte, au moyen de la diplomatie parlementaire, faire entendre la voix du continent aux dirigeants pour un changement de paradigme, une Afrique unie et responsable. C'est son ambition et il compte bien se jeter à l'eau pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Merci de nous avoir suivis.